Les règles... Les règles du petit jeu qu'on va faire, plutôt de la FAQ géante. Donc comment ça se passe Comme je vous avais dit, à chaque fois, euh, bah, on discute avec 2, 3, 4, 5 personnes maximum. Et c'est toujours des discussions super enrichissantes, super intéressantes. Et du coup, tous les autres groupes qui discutent entre eux ne peuvent pas profiter de ce que nous on raconte. Et ce que nous on raconte, on ne peut pas en fait profiter de ce que les autres racontent parce qu'on est occupé de parler avec les autres. Donc ici, ça va permettre vraiment qu'on ait une discussion tous ensemble en même temps parce que chacun va écouter en fait, les questions des autres pendant une heure donc pendant une heure, il y a Arthur qui a un micro en main et vous allez pouvoir poser absolument toutes les questions que vous voulez euh, à nous intervenants. Mais peut-être que nous, on aura aussi peut-être des questions pour vous. Ça va permettre de brainstormer, etc. Donc ça va plutôt être intéressant. Tout va être enregistré aussi, euh, qu'on vous renverra aussi euh, par derrière en, en replay. Donc euh, y a, franchement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de questions bêtes à nouveau. Allez-y, que ce soit des questions sur le drop, le consulting, la crypto. Euh, l'import-export le mindset, euh, même sur l'organisation la structure d'une équipe, etc faites-vous plaisir euh, vous, pouvez, vous pouvez y aller est-ce que quelqu'un a une première question je sais que la première est toujours difficile à dégainer et après ça s'enchaîne donc euh, sinon je vous laisse choisir, vas-y Mathéo bonjour <laughs> Euh, non, par rapport euh, tout à l'heure, euh, la dernière intervention de, de Fabien, euh, il a parlé justement euh, pendant, je crois que c'était pendant la, la stratégie des cinq drapeaux, euh, qu'on pouvait éventuellement, enfin, il a insinué qu'on pouvait se faire financer, on pouvait essayer de se faire financer sa croissance, euh, mais du coup à l'international, si j'ai bien compris, enfin, ce serait possible. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce euh, comment est qu'on peut mettre ça en place et comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de développement et qu'on puisse profiter de ce genre de, de choses. Au niveau de la théorie des cinq drapeaux. C'était en séparé avec le financement de la croissance. Si tu veux, tu vas avoir besoin pour financer ton entreprise qu'elle soit dans le pays là où tu, euh, où tu viens financer la croissance. Quoi. Par exemple, si tu es aux États-Unis, tu, tu fais une LLC, c'est beaucoup un montage qui est classique. Si tu as une LLC aux États-Unis, on va te demander d'avoir des locaux, un business en physique, etc. Donc c'est vrai que tu vas des difficultés pour financer une croissance quand tu n'es pas dans, dans le pays. Mais peut-être via des projets immobiliers, etc., c'est envisageable. Ouais, je, permets, je me permets de rebondir sur ce que tu disais, euh, quand même, par rapport... Euh, euh, ben, comme Arthur et moi, ou même ben, Maxime, ben, on investit tous les trois euh, dans l'immobilier. Et par exemple, en Belgique, ben, c'est quand même super facile, il faut le dire, de pouvoir avoir accès à des crédits quand euh, ben, es en Belgique, quand t'as ton entreprise qui est là, qui a quand même des bilans, etc. Je vais pas dire que c'est un jeu d'enfant, mais en gros, tu dis à ton banquier, j'ai besoin d'emprunter, je sais pas... Euh, 100 000 ou 150 000, 50 000 ou 80 000, peu importe, euh, sur ce bâtiment-là, il te sort directement la simulation avec ton taux d'intérêt. C'est un, oui, un oui tout de suite, en fait. C'est juste à toi, après, de le valider ou pas. Et ça, c'est un gros avantage, justement, quand tu es dans le pays en question. Par exemple, moi, j'ai fait un crédit ici en Espagne. Je suis pas du tout euh, résident en Espagne ni résident fiscal pour euh, l'appartement que j'ai acheté. Et euh, pour avoir le crédit, ça a été quand même plus compliqué, alors que j'avais quand même. Euh, je veux dire, derrière des, des, des chiffres à montrer, des bilans, etc. Mais vu que tu es nouveau, euh, ça prend beaucoup plus de temps et tu peux parfois rater une opportunité à cause du temps, parce que les opportunités, c'est directement corrélé au temps. Donc c'est vrai que quand tu as une base dans un endroit, c'est quand, euh, quand même sympa pour pouvoir débloquer des, des crédits, des financements euh, assez, assez facilement. Quoi. Donc justement, euh, c'est un peu la, la même chose, c'est le même lien, et, mais c'est à l'inverse, pour la, la théorie des cinq drapeaux, de pour pouvoir et bénéficier d'un financement et de la croissance. Mais aussi pour, avoir son, enfin pour diversifier, euh, donc avoir son, soit ses activités et sa résidence fiscale dans un autre pays. Donc pour, le fait, enfin pour le coup, moi, avec mes business physiques, j'ai déjà essayé de me dire OK, je vais aller mettre ma, ma résidence fiscale ailleurs. Mais euh, bah, bon, en tout cas, l'avocat fiscaliste que à qui j'ai posé la question m'a dit Le problème, c'est que tu as déjà, dans le pays actuel, euh, des biens physiques. Euh, des entreprises physiques et tout ce qui enfin, vraiment du physique qui est, qui est là avec une activité qui tourne autour des revenus et donc euh, bah, c'est très difficile de enfin c'est ce qui m'a expliqué en tout cas et c'est la question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut faire pour à, appliquer la théorie des sacs drapeaux sans enfin tout en bénéficiant de la croissance et d'un financement dans, dans le pays on, auquel on, on veut faire l'activité et aussi d'avoir la résidence fiscale ailleurs et faire la théorie des sacs drapeaux quoi. Là, dans ton cas de figure, c'est délicat. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. <laughs> euh, moi, par exemple, j'ai encore de l'immobilier en France. Je paye des impôts sur l'immobilier. Là, dans ton cas de figure, tu as un centre économique. En plus, tu as, tu, es, tu as le passeport belge. Tu as donc ton business en Belgique. Donc, le fisc va dire ton centre économique. Peu importe où tu vas aller. Moi, je juge que c'est en Belgique. Donc, tu continueras à de devoir payer des impôts en Belgique. Par contre, si tu venais à t'expatrier, à remonter du business, etc., à l'étranger. Là, tu pourrais justement, tu pourrais démontrer que la Belgique, c'est pas le seul pays où tu fais du business. Quoi. Mais là, dans ton cas de figure, il est certain... En fait, si tu veux, la théorie des cinq drapeaux, elle a été mise en place surtout pour ceux qui avaient envie de devenir voyageurs permanents mmh. et de, euh, voilà, de, de, ne payer, de ne pas payer d'impôts, etc. Il est certain, après, il y a quand même une éthique, les, les gars. Quand tu es dans un pays où ta boîte, tu profites du système du pays, etc. C'est logique aussi de contribuer euh, à payer les impôts, tu vois. Ouais, c'est dans l'idée de justement diversifier. Par exemple, si je fais un e-com, me dire bah, que je vais mettre cette activité-là, le siège social, etc. Ailleurs, et pouvoir me dire bah, si je gagne beaucoup plus que les activités me rapportent en Belgique, bah, pouvoir. Euh, Après, peu... tu peux, tu peux faire des holdings à l'étranger, qui peuvent te permettre. En, en fait, si on regarde Google. Toutes ces, tous les GAFA, etc., ce qui ont permis voilà, d'avoir une croissance qui a explosé, c'est simplement le fait qu'ils ont payé un minimum d'impôts via des, des holdings à l'étranger. Donc en fait, tu peux, et c'est tout à fait légal, hein, c'est l'optimisation fiscale, où là, tu peux avoir des structures à l'étranger où tu peux envoyer du flux. Alors après, on pourra rentrer en détail. Mais ça peut te permettre voilà, de, de réduire, euh, redire tes impôts. Quoi. OK, OK. Merci. Suivant Pas tous en même temps. Euh, moi j'avais une question pour toi Lucas, euh, concernant le consulting. Ma question c'est est-ce que je garde une échelle de valeur Comme ça C'est parce que j'ai le truc à côté. Euh, est-ce que je garde une échelle de valeur Avec par exemple, là actuellement ce que j'ai c'est ma formation, par exemple, 1000 euros. Euh, le consulting qui est à, à 3000 euros et euh, après le, la prestation mensuelle pendant plusieurs mois. Est-ce que tu me conseilles de garder ma formation à, à 1000 euros pour ceux qui ont un budget plus restreint et de garder aussi le consulting Ou de faire un combo des deux, d'avoir un seul produit, de le vendre plus cher et par contre ceux qui ont moins de budget, soit tant pis pour eux. Euh, voilà. oui. voilà. ouais, bah c'est une super bonne question. Euh, par exemple, pour moi, ce qui est de mon cas, on a différents produits à différents prix sur lesquels on va par exemple faire du lot-ticket aussi. Mais il faut savoir un truc, c'est que nous, on a remarqué que notre produit de base, qu'on va par exemple vendre à 6000 euros, euh, c'est euh, le produit dans lequel euh, on a les clients qui sont les plus euh, qualifiés, c'est-à-dire qui ont le plus... Euh, qui, ont, qui sont les plus enseignables, euh, parce qu'ils savent qu'ils investissent vraiment pour apprendre, euh, que par exemple, quand on va vendre une formation à 1000 euros, donc ça veut dire qu'on gagne 6 fois moins, mais par contre, on va passer 6 fois plus de temps euh, sur la personne, euh, parce que euh, souvent, c'est des personnes qui hésitent longtemps avant de rejoindre un programme, parce qu'elles euh, n'ont pas beaucoup de budget et tout ça. Et euh, c'est beaucoup de, de, comment dire, de stress pour l'équipe, parce que ces personnes-là sont plus en mode, euh, ben, je pense que je vais devenir... Euh, multimilliardaires ou multimillionnaires du jour au lendemain en fait alors que ce n'est pas du tout le cas et pourtant c'est des choses qu'on leur dit mais c'est souvent ce cas de figure là qui arrive donc moi je dirais que c'est à toi de voir ce en fait, que ça te coûte en, en temps euh, énergie, si tu vois en fait que tu passes finalement, euh, euh, c'est la loi de Pareto si tu passes vraiment beaucoup de temps sur euh, les clients lotiquettes euh, et que ça te rapporte finalement que 20% de ton chiffre d'affaires, faut ben, focalise l'histoire vraiment sur euh, finalement ton produit phare et ne perds même pas de temps à faire rentrer des gens dans euh, tes programmes low ticket parce que ça va certes te rapporter un peu plus d'argent à la fin du mois, mais c'est n'est pas ce qui va changer ta vie vu que ton produit phare ben, c'est euh, celui à 3000 euros comme tu disais. Euh, donc, ça, c'est vraiment à toi de continuer à faire ça et vraiment calculer euh, temps, énergie euh, par rapport à ce que ça te rapporte et voir quelle, euh, voilà, quelle décision faire. quoi. Par exemple, comme pour nous, avec Ruben, on le voit aussi, on pense carrément arrêter les, les coachings à 1000 ou 2000 ou, ou 3000 euros, n'en plus faire du tout et seulement vendre des coachings à 6000, voire même plus aussi, 6000, 7000, parce qu'on se rend compte quand même les personnes qu'on a en face de nous, euh, ça match beaucoup mieux. C'est des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui ont un mindset plus évolué et elles savent pourquoi elles payent en fait. Donc euh, c'est beaucoup plus facile au niveau de la gestion client de gérer des clients qui payent un produit cher que de, de gérer des clients qui payent un produit peu cher en fait. Ok, merci à toi. Et du coup, ce que tu me conseilles, c'est de calculer finalement mon taux horaire. Parce que pour la formation, tu vois qu'il y a 1000 euros, mais j'ai pas de. Enfin, c'est une formation, tu vois. Il n'y a pas de coaching, etc. Tu vois. Ouais, c'est diffé différent de nous. Parce que nous, comme je le disais dans ma présentation, on a toujours un account manager par client. Donc oui. ça veut dire qu'en fait, nous, ce n'est pas juste une formation. C'est vraiment toujours un accompagnement avec un, avec un service derrière. On va répondre à des questions, etc. Euh, le, vraiment, le, la formation telle qu'elle, je, je n'en fais plus. Euh, où il y a juste des vidéos, quoi. Et donc nous, ça nous coûte vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Maintenant, si toi, ta formation, elle continue à se vendre et que c'est un produit d'appel qui permet ensuite de faire monter tes clients de, au troisième étage. Moi, je vois vraiment en fait une entreprise comme un building avec un ascenseur et un petit ascenseur en fait. Moi, je préfère en fait avoir un, un building qui est très haut en étage avec un petit ascenseur où il n'y a que cinq personnes qui peuvent monter dedans, mais qui peuvent monter à dix étages différents. Donc, c'est-à-dire, premier étage, c'est une offre à 50 euros. Ensuite, ça va être ta formation à 1000. Ensuite, ça va être le troisième étage, ça va être par exemple ton programme d'accompagnement à 3000. puis après, ça va être un autre truc à 10000 à 20 000, etc. Puis un accompagnement sur une année, par exemple. Je préfère ça que de faire rentrer plein 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 de gens à 1000 euros et puis après il n'y a rien en fait. On se rend compte quand même au niveau de la satisfaction client c'est mieux aussi. Mais euh, encore une fois si toi ça te permet de faire rentrer des gens que c'est ton produit d'appel et après de pouvoir les obséder sur des produits plus chers, là ça fait sens justement de garder ce produit là si ça te coûte rien en, en énergie et qu'il est déjà fait. Quoi. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier déjà pour toutes les présentations que vous avez faites parce que c'est très utile pour nous. Moi j'ai peut-être une question un peu différente et je voudrais la poser à, à, à tout le monde. Une des personnes qui a déjà répondu dans ce qu'elle a présenté. Euh, Jusqu'à présent, on, on a tous vu ce que vous avez réussi, et moi, je voudrais euh, m'informer et euh, savoir justement où vous avez raté, parce que avant d'arriver à votre niveau de ce que vous avez réussi, je voudrais essayer d'éviter les étapes que vous vous avez eu en ratant. Donc, je voulais voir chacun, l'un le près l'autre, si vous avez le temps, de nous expliquer en deux mots où il faut vraiment faire attention et où vous êtes bien planté. Quoi. Ouais, super question, c'est le genre de question euh, que j'aime beaucoup parce que ça permet de mettre tout le monde ici, euh, de nous six tout nus devant tout le monde et en gros de, de montrer ben, finalement c'est quoi les échecs qu'on a eu etc. Donc ben, je me lance, moi le, je dirais que le plus gros échec pour le moment auquel j'ai fait face ça a été de, de m'associer sur une boîte que j'ai eu pendant euh, un peu plus de deux ans en gros, je me suis associé avec deux personnes. La première personne, c'était quelqu'un euh, que j'appréciais beaucoup dans le business. On s'était rencontré par le dropshipping et tout ça en fait. C'était un, un gars de Bruxelles. Euh, lui m'a fait rencontrer un autre gars. Euh, et alors, on a lancé euh, une boîte. En fait, c'était une boîte de vente de formation. Euh, et en gros, le concept de la boîte, c'était quoi C'était de, de se dire, OK, ben moi, Lucas, j'arrive en fait à vendre des formations à ma petite échelle en ayant euh, quelques dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube à ce moment-là. Et tout ce que je fais, en fait, je pourrais le dupliquer en travaillant avec des influenceurs connus. Euh, et vu qu'eux, ils ont une plus grosse audience que moi, si j'applique les mêmes stratégies, ben, ça veut dire que s'ils ont 10 fois plus d'audience, je vais faire dix fois plus d'argent. Donc c'est ce qu'on a fait, on a créé la boîte et franchement, au début, on a foncé, on a eu quand même des grosses têtes. Euh, on a par exemple fait une formation avec Ibra TV, on a fait une formation avec Cédric Doumbé aussi, euh, avec des chefs étoilés en Belgique, etc. Enfin bref, euh, d'ailleurs, ben, on a fait ces formations avec Zulfo et Merguim, qui sont les caméramans d'ici. Euh, des formations vraiment de très haute qualité. Euh, on a fait des soirées avec des webinaires. Euh, franchement, c'était assez ouf. C'était des webinaires à des 400-500 000 euros, euh, mais sur lesquels on n'a jamais touché l'argent euh, parce que on avait capitalisé sur le CPF, on est passé par des mauvais accréditeurs qui nous ont... Volés et euh, qui nous ont euh, qui nous ont pas mal, qui nous ont mitonné pas mal de trucs. Euh, tout ça, ça, ça a aussi euh, comment dire, euh, créé pas mal de négativité dans la boîte. Il euh, y a un associé, euh, le premier, euh, qui. Euh, le problème, c'est qu'en fait, s'il était occupé d'acheter une grosse baraque, il avait genre fait 1 ou 2 millions en dropshipping. Et l'histoire, c'est qu'il s'est acheté une, une grosse maison qui coûtait plus d'un million d'euros sur Bruxelles euh, à cause de, de sa femme qui voulait, euh, qui voulait tout des, des gros trucs. Voilà, voulait une grosse baraque, une grosse maison, etc. Donc lui, il a fait quoi Il a suivi en fait ce que sa femme voulait et euh, du coup, euh, ben, il s'est retrouvé avec plus avec plus trop d'argent sur son compte et donc il essayait de gratter partout où il pouvait. Et vu qu'on était tous les trois à 33, 33, 33 dans la boîte, euh, son seul moyen de récupérer un petit peu d'argent pour terminer les travaux, c'était en fait de nous mettre face au mur et de nous dire, OK, moi maintenant, j'ai ben envie de quitter la boîte, enfin, je vais quitter la boîte. Donc, vous avez deux choix. Soit, en fait, ben vous me rachetez euh, mes parts euh, de 33% pour une valeur, au début, il voulait 200 000 euros. Donc, c'était 100 000 euros que moi, je devais mettre sur la table, 100 000 euros que mon associé devait mettre sur la table pour acheter ses parts. Et si on ne le faisait pas, ben il restait avec ses parts dormantes. Euh, et euh, en gros il disait ben, si je reste avec mes parts dormantes ben, si vous continuez votre, votre activité juste à deux vous pouvez le faire mais ben, ça veut dire que la boîte va continuer à avoir de la valorisation et ça veut dire que si elle a de la, de la valorisation ben, mes, mes parts vaudront encore plus d'argent donc en gros vous êtes bloqué c'est soit vous me rachetez mes parts ou soit en gros on arrête l'activité quoi donc on a tourné en rond comme ça pendant sept mois euh, c'était franchement c'était hyper chiant, je me réveillais avec la boule au ventre, on doit faire des réunions pour la boîte, mais quand tu es dans une boîte où tu même plus envie de travailler, ben, c'est juste horrible, en fait tu prends plus aucun plaisir. Et d'ailleurs, ça a été une période de ma vie où j'ai même grossi, je m'en rends compte seulement maintenant, parce que quand tu te réfugies dans la bouffe, dans les soirées, dans l'alcool, etc., mais genre assez régulièrement, c'est généralement parce que tu as un mal-être au fond de toi, mais tu t'en rends pas compte directement, en fait. Et euh, aujourd'hui, avec, avec le recul, ben je me rends compte que si j'aimais bien euh, faire plus, beaucoup plus la fête qu'aujourd'hui, c'est ben parce que je me sentais peut-être pas bien dans mon boulot. Et vu que moi, mon boulot, ben c'est toute ma vie, c'est genre le truc numéro un, euh, ben c'est pour ça que même personnellement, je n'allais pas trop bien. Et donc, du coup, on a continué quand même à avancer. Finalement, on a racheté ses parts, on a dû beaucoup négocier. On a quand même lâché, euh, chacun, je crois, on a, on a lâché 50 000 euros pour acheter ses parts, donc c'est quand même pas rien. Euh, et finalement, on les a rachetés pour rien parce que moi, la boîte, après, on a la, la motivation était à zéro. Il y avait des, des très belles choses à faire, mais vu que la motivation ben, elle était à zéro de mon côté et qu'au niveau de mon, deuxième de mon deuxième associé aussi, la motivation était à zéro, ben, euh, on avançait plus du tout. En fait, on faisait des réunions pour dire de faire des réunions, mais il y avait rien qui avançait. On se regardait, euh, on se regardait, et il y avait rien qui avançait non plus. Et donc, du coup, moi, à un moment, j'en ai vraiment eu marre et euh, je lui ai dit "écoute, moi, je peux pas avancer comme ça. Ça me ronge vraiment de l'intérieur. Donc, euh, moi, j'ai quitté la boîte." Euh, je lui ai laissé mes parts et je voulais plus du tout en entendre parler de cette boîte-là. Et donc, du coup, je suis parti de cette boîte-là, maintenant, il y a 7 ans, en septembre, et je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie depuis que j'ai quitté la boîte, en fait. Genre, il y a tout qui a commencé à s'aligner petit à petit, euh, que ce soit au niveau de mon bonheur, au niveau de, de ma santé, de, euh, comment dire, de, de mon état d'énergie, etc. Et, euh, et ouais, donc moi, je dirais que ça, ça a été mon... Je ne le vois pas du tout comme un échec, moi, en fait, et je ne vois rien comme, comme un échec, je vois juste tout à chaque fois comme, comme un gros apprentissage, et ça permet d'en de, savoir plus, c'est une aventure en plus dans la vie. Et moi, mon, mon but, je le dis toujours, c'est pas d'être le plus riche, c'est pas de, de gagner le plus d'argent dans le monde. C'est juste, en fait, à la fin, d'avoir un sac à dos avec le maximum d'aventures dedans et d'expériences. Et c'est ça, la vraie richesse, en fait. Pour moi, c'est pas d'avoir 5 millions ou 10 millions sur un compte bancaire. C'est euh, d'être ouvert d'esprit, de, de pouvoir écouter les gens, d'entendre et tout ça. Et les expériences, c'est ça qui nourrit, justement, ce, ce, ce sac à dos, comme je disais. Et donc, euh, et donc, voilà, moi, ça a été le moment, je dirais, le plus difficile dans, dans le business que, que j'ai eu, quoi. Euh, longtemps, oui. euh, pour ma part, euh, mon plus gros, c'est pas vraiment un échec, mais c'est plus quelque chose que j'aurais fait différemment. Euh, c'est de ne pas me focus à 100% sur le, sur le business principal qui rapporte et le business que je connais par cœur et vraiment mon expertise, par exemple, le dropshipping, et de avoir un peu le syndrome de l'objet brillant à certains moments, alors qu'au final, aller vers d'autres business que je connais moins, c'est un peu repartir de zéro, entre guillemets, et, et aller en arrière. Donc je pense particulièrement à... C'était quand, c'était il y a un an ou deux ans, on voulait faire un projet NFT en n'y connaissant pas grand-chose, honnêtement. Et, euh, et du coup, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent parce que ça ne s'est pas fait, on a travaillé avec les mauvaises personnes, on, on s'est fait arnaquer au final. Et, euh, et je me rends compte que... C'était beaucoup de temps perdu, de l'argent aussi sur le moment. Et, euh, et ouais, c'était. Si, si on avait mis toute cette énergie dans, dans le drop, dans ce qu'on connaît, on aurait capitalisé beaucoup plus à ce moment-là. Et on a, on, a, on a un peu reculé, on, a, on, a, on est descendu dans les échelons euh, qu'on avait mis du temps et de l'énergie à gravir. Et du coup, là, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire maintenant c'est focus à 100% sur notre core business. Et, euh, et c'est vraiment là où notre expertise est la, est la plus grande. Oui, c'est ça, mais c'était la même chose pour moi. Et d'ailleurs, justement, on avait complètement délaissé le e-commerce, e et le dropshipping à cette période-là. C'était pendant, pendant la période des NFT, le bull run, etc. Bon. <laughs> et, euh, et ça a vraiment... Exp on a voulu surfer sur la vague. Et euh, comme Martin l'a dit, bah, on a eu le, un peu le syndrome de l'objet brillant. Et on s'est ouais, on fait un peu arnaquer, je dirais. Euh, une belle somme aussi, euh, un truc comme 50 000 euros. Euh, et ça nous a donné vraiment une grosse claque. Et justement, après, on a su bien rebondir. Et comme je vous ai montré hier, c'était euh, le produit qu'on a trouvé. Après ça, c'était la robe, justement. Euh, et ça, ça nous a fait un shift. Et on s'est dit, bon, bah à partir de maintenant, on va se concentrer juste sur ce qu'on sait faire. Et on va devenir les meilleurs dans ce qu'on sait, qu sait faire. Et euh, bah, c'est ce qu'on a fait. Et euh, bah, comme Lucas, depuis lors, euh, je n'ai jamais été aussi heureux et euh, je suis comblé dans ce que je fais et je n'essaie pas de, de trouver la nouvelle opportunité ou quoi au caisse. Et, euh, et donc voilà quoi. Mais après, au final, ça a beau avoir été un échec sur le court terme euh, et nous avoir fait un peu reculer, mais on, on en tire toujours quelque chose. Et je pense qu'il faut passer aussi par ce genre d'épreuves de, et d'erreurs parce qu'évidemment, on va... Et tout n'est pas rose. On ne va pas tout le temps réussir ce qu'on entreprend. Donc, je pense qu'au final, même si sur le moment c'était c'était ouais, c'était embêtant, euh, ça nous a ça nous a servi de leçon et, et on peut que en tirer des, des, des leçons et des enseignements pour le futur. Ouais. Ben moi, de mon côté, j enfin, j'aurais tendance à dire deux petites erreurs ou. Échecs ou plus des choses que j'aurais pu mettre en place avant et j'aurais pu gagner beaucoup de temps. Je pense que la première chose, c'est d'un point de vue de, de, de la santé, dans le sens où euh, bah, dès que moi j'ai quelque chose en tête, je peux rapidement devenir obsédé et limite euh, ne plus dormir autant, ne plus manger correctement, ne plus faire tout ce que je fais d'habitude et faire que ça et tenir jusqu'à ce que justement bah, je puisse l'avoir. Donc euh, ça, je pense que ça a été une erreur et euh, le fait de négliger un peu la santé, alors qu'au final, euh, on peut se retrouver dans des situations après où on va dépenser pour régler ces problèmes de santé alors qu'on aurait pu tout simplement ne pas, euh, ne pas les avoir. C'est un petit peu un cercle vicieux. Donc euh, moi, j'ai tendance à dire de vraiment prioriser toutes ces choses-là et mettre la santé avant, faire du sport, regarder ce qu'on met euh, dans son corps comme alimentation, bien boire de l'eau. Enfin, toutes ces choses-là sont hyper importantes. Et euh, vraiment, d'un point de vue plus crypto-NFT, c'est... Euh, de mieux, gérer, euh, de mieux gérer le budget en fait d'avoir un meilleur money management au début j'investissais je faisais de l'argent après j'allais le reperdre, etc mais n'entretenais pas de, de, de compte de, de, de comptabilité si je puis dire où je savais combien je perdais combien je gagnais et au final euh, je me dis ah mais il y a plus autant d'argent qu'est- ce qui se passe etc enfin dans quoi j'ai investi et quand on fait les comptes on voit clairement où on perd et euh, je pense que ce que ce soit dans les nFT ou les cryptos, même dans la vie de tous les jours c'est important de traquer tout le temps un petit peu tout ce qu'on fait, comme ça on voit les erreurs qu'on fait, on voit euh, les erreurs qu'on fait, et là où on peut, euh, je pense les euh, les améliorer. Et moi c'est deux choses, je pense, qui m'ont fait euh, perdre du temps et aussi euh, de, de l'argent, à mon avis. Moi je ne vais pas revenir dessus. Je vais te laisser la parole parce que je vous ai déjà parlé de l'échec. Juste par rapport à l'échec, il y a une très belle citation, c'est Winston Churchill qui dit, en fait le secret de la réussite, c'est de continuer à avancer. Malgré les échecs, sans perdre son enthousiasme, et ça c'est vraiment important. Il faut passer par les échecs pour réussir à obtenir le, le succès. Et moi, euh, ben, je peux... il y a deux-trois choses qui sont déjà dites. Donc, bon, moi j'ai eu euh, trois associations qui se sont mal passées, et souvent se sont passées avec des gens finalement qui sont proches de moi. C'était un associé, c'était quelqu'un dans ma famille ou mon meilleur ami. Donc ça, voilà, mais ça, ce sont euh, par rapport aux associations. Mais quelque chose, une erreur euh, que moi, c'était, j'étais très impatient. Je voulais que tout se passe très vite. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais par exemple, quand on entreprend, au début, on veut que ça se passe vite, on veut que ça aille vite. Et finalement, c'est d'apprendre, de se dire, ben voilà, on va attendre, enfin, je vais attendre, prendre le temps de faire le truc bien, que d'essayer d'aller trop vite et sauter des étapes peut-être qui vont brûler. Euh, moi, j'ai eu ça avec... Euh, Je n'ai pas dit ça hier, mais j'ai aussi fait de la promotion neuve. Donc, j'ai acheté des terrains, j'ai construit des immeubles sur des projets. On était sur 5-6 ans parfois. Et ça veut dire que pendant 5-6 ans, ton cash, il est bloqué. Ton premier euro, il ne sort que 6 ans après. Et euh, finalement, bon, c'est ça que euh, des erreurs comme ça qu'on apprend. Mais c'est aussi comme ça que j'ai vu que, par exemple, des associations peuvent aussi euh, être très difficiles s'il faut partir sur des projets de 3, 4, 5, 6 ans mais c'est là où on voit aussi qu'on est tous différents. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais constaté. Euh, par rapport à l'immobilier, moi, je dirais aussi euh, la difficulté, en IMO, il ne faut pas se cacher, c'est le financement. On peut avoir du crédit très vite, mais aussi, dès qu'on a plus, les banques veulent toujours avoir plus la main mise sur certaines choses. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je mets tout mon immobilier, ou quand même énormément, dans des sociétés qui sont des entités juridiques séparées pour pouvoir scinder les choses et qu'on vienne pas à ma porte pour dire, voilà, euh, euh, toc, 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 on va vous prendre ça ou ça. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment déjà, il ne faut pas, comme tu as dit tout à l'heure, les cinq drapeaux, c'est top, mais je crois qu'il y a des étapes. Déjà, scinder avec certaines sociétés, même dans le même pays, vous allez vous, pouvoir vous protéger. Vraiment, protéger. Protéger le plus possible avec des entités juridiques. Et ça, c'est quelque chose. Okay, vous dites, je suis Yannick, moi la personne. Il y a la société qui est une autre personne. Et tu sépares ces deux choses-là. Et tu vas déjà mieux te sentir. Euh... Enfin, voilà, je veux dire, tu, tu n'es plus. La société n'est pas toi. Et toi, tu n'es pas la société. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu. Parce que souvent, on se met comme une personne. Mais finalement, c'est toi et la société. Ou toi et ton business. Ouais, Essayez de séparer ça et vous allez pouvoir déjà bien dormir, bien manger, voir vos amis d'une façon différente. Enfin, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vu sur les 19 ans maintenant. Euh, ouais, voilà. désolé, oh, voilà. désolé, je te coupe Yannick, moi j'ai une question pour toi justement, c'est intéressant ce que tu dis moi je me suis toujours posé la question, quand tu as plusieurs biens immobiliers justement en Belgique, c'est quoi la meilleure école Moi j'ai tout entendu, de créer je, je connais même quelqu'un qui a créé une société par biens immobiliers ou par immeuble pour vraiment tout séparer quelqu'un qui met tout dedans, mais je sais qu'à la revente du coup c'est un peu compliqué, du coup toi tu conseillerais quoi De mettre tout ton immobilier dans une boîte ou bien de comment est-ce que tu sépares ça en fait Aujourd'hui je dirais euh, idéalement deux sociétés moi, j'en ai eu cinq à un moment. J'essaie d'en liquider actuellement deux. Liquider une société, c'est un métier aussi. Hein. Donc, ça prend du temps. Donc, je suis en train de fermer deux sociétés où il y avait la construction neuf avant, mais que je n'utilise plus depuis 2017. On est en 2023. Ça me coûte de l'argent chaque fois. Donc, là, on est en train de les clôturer. Mais je veux dire, une pour ton business, une pour l'immobilier. Et alors aussi, à un moment... Euh, ça c'est quelque chose que j'avais appris en discutant avec mon banquier moi je m'entendais super bien avec euh, mon banquier qui me finançait euh, pour beaucoup de projets en immobilier et il me disait, ça ça date de 2013 ou 2014, Yannick tu arrives à 6 millions si tu passes plus haut je ne suis plus ton banquier et euh, je ne vais plus pouvoir t'aider, donc là par exemple peut dire ok je prends une nouvelle société pour rester au palier pour pouvoir continuer à travailler avec la personne qui va continuer à te financer moi, ma première réaction, c'était c'est votre cuisine interne, je m'en fous. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire aux banquiers. Il faut seulement dire, OK, quelle est la solution Et là, par exemple, tu peux commencer à scinder. Moi, je dirais aussi, il ne faut pas oublier que si tu vous faites énormément d'immobilier, ça devient une, économie, enfin, une activité économique et vous êtes requalifié. Donc, si vous faites du privé, enfin, de l'immobilier en privé de trop, vous pourriez être requalifié et ça peut vous coûter beaucoup plus cher finalement que les impôts à payer en société. Surtout le cas pour la Belgique, je crois qu'en plus 300 ouais. mais en Belgique, c'est parce que nous, on paye pas encore d'impôts. Pas encore. Mais ah n'oublions pas non plus que dès qu'on met de l'immobilier en société, d'accord, ça rentre dans ton chiffre d'affaires. Mais on peut faire plein de frais et déduire plein de choses. Euh, tes frais d'achat, tes travaux, ben plein de choses. Enfin voilà, on est tous créatifs par rapport à ça. Ouais. Ouais, surtout que finalement, l'immobilier qu'on a en société ou en privé, ça change pas grand chose au final. C'est juste en fait quelque non. chose de psychologique de savoir que tu l'as en privé ou en pro finalement. Ouais. C'est quand même à toi au final. Ouais. Et une question qu'on a eu, euh, on en a discuté ce midi avec Ruben, c'est de se dire aussi, bah, tiens, les personnes qui font beaucoup d'argent, énormément d'argent, ils le font en privé ou en société C'est en société. Donc, allez en société, comme ça vous allez aller plus vite. Tu vois Enfin voilà. Top. Euh, je crois qu'on a fait le tour du coup. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager un gros échec. Ça peut être intéressant aussi. Si quelqu'un a eu un gros échec dans son parcours d'entrepreneur, franchement, n'hésitez pas. Ça peut être. Euh, C'est toujours super enrichissant euh, ce genre d'histoire. Voilà. On, on a échangé entre nous euh, pendant la pause déjeuner et on a échangé également aussi avec Lucas au sujet de l'échec en se disant que l'échec en fait c'était aussi le moyen de le meilleur moyen pour rebondir et que même si voilà vous avez l'impossibilité de continuer dans un pays le monde est grand mais voilà il y a un point qui est important quand même la France et je pense que la Belgique c'est pareil c'est pas les États-Unis ok aux États-Unis ça fait partie de la culture l'échec fait partie de la culture intégrante aux États-Unis, c'est même étrange de voir quelqu'un qui réussit du premier coup sans être passé, voilà, par de nombreux échecs. Vous savez, c'est un peu la culture de Rocky. Il faut tomber, il faut, et puis on vient chercher sa victoire. Voilà, le système, comme au Canada, vous avez cette possibilité-là. On vous permet de tomber et de rebondir. Il faut savoir qu'en France et en Belgique, c'est complètement différent. Si vous tombez, vous êtes inscrit, voilà. Dans les banques, etc., c'est très compliqué de, de rebondir. Donc voilà, l'échec, s'il doit intervenir, voilà, ça fait partie de, des expériences, mais c'est quelque chose que l'on ne doit pas souhaiter. Et sur l'échelle, si je dois vraiment parler d'échec, parce qu'hier, on en a parlé, louper un produit, louper un site, etc., on ne peut pas appeler ça un échec. Alors si on doit appeler ça un échec et le comparer à une maladie, c'est un rhume. OK quand tu plantes un petit produit, c'est ni plus ni moins qu'un rhume et une petite grippe. Par contre, quand tu plantes ton entreprise avec liquidation judiciaire, dans ces cas-là, tu peux comparer ça au cancer de, de l'entrepreneur. Donc voilà, il faut quand même méfiance. Parce qu'on voit beaucoup de vidéos apprenez à échouer, c'est pas grave, etc. Non. C'est comme la boxe, OK Il y a un risque de manger un chaos, je l'ai dit. Mais c'est quelque chose que l'on doit éviter à tout prix, d'accord Parce qu'on peut se faire casser la mâchoire, on peut se réveiller à l'hôpital. Donc on doit éviter, on doit se protéger pour éviter l'échec, ok Top. Juste avant ta question, Victor, moi je voulais te renvoyer la question à toi, John, parce que ben, je sais que toi, du coup, ici sur Marbella, ben, tu as, as, euh, as plusieurs business physiques, euh, et je sais que tu as eu aussi un parcours quand même atypique, donc ce serait peut-être intéressant que, que tu partages ouais, aussi bah, peut-être ton plus gros échec, une histoire comme ça à, à raconter. Quoi. Euh, bah, ici en Espagne, ce n'était pas vraiment un échec, mais on a failli tout perdre à cause du Covid. Bon, comme j'ai expliqué à beaucoup de monde, on travaille avec, euh, avec la gestion locative, donc avec les vacanciers. Et à partir du moment où on ferme les frontières, bah, du jour au lendemain, tu n'as plus de boulot. Quoi. Mais c'est plus un client. Donc là, l'année passée, on a tourné à 1200 locations sur l'année. Mais en plein Covid, on a eu 800 annulations, donc 800 remboursements. Donc la chance que nous, on a eue par rapport à d'autres sociétés qui font la même chose que moi, c'est que nous, on a gardé une, trés une trésorerie saine. On n'a pas dépensé cet argent. Donc à savoir que nous, on fait payer donc, 50% à la réservation et le solde juste avant que le client arrive. Donc énormément de personnes avaient déjà payé leur réservation. N'ont pas pu venir. Donc, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas, avec toutes les restrictions, s'ils allaient pouvoir venir ou pas. Donc, on a vraiment attendu la dernière minute pour rembourser tout le monde. Et on a remboursé tout le monde. Donc, on a eu cette chance de garder cet argent, de ne pas le dépenser. D'autres agences comme la nôtre se sont plantées parce que, eux, ils en ont profité. Ils ont dépensé déjà leur commission et tout ça. Et au moment de rembourser, ben, ils n'ont pas réussi. Donc, la seule solution qu'ils avaient à faire, c'était fermer. Mais donc, ils ont perdu leur crédibilité, la confiance du client. Et voilà, ils vont pas réouvrir dans le même, dans le même domaine. quoi donc là on a eu très très dur par rapport à ça, parce que tout remboursé et raté une année, on se dit ben, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, comment on va réussir, combien de temps ça va durer, euh, combien de temps nous on va tenir ici et euh, on a décidé de ne pas se battre contre ce Covid, mais justement euh, essayer de jouer avec. Donc on a quand même continué à proposer de l'allocation, et toujours en mettant euh, remboursement à 100%. Donc peu importe la situation qui allait se passer dans l'avenir, on rembourserait. Et c'est comme ça que les gens nous ont fait confiance, et qu'on a eu de plus en plus de nouveaux de réservations. plus, tous ceux qu'on a remboursés euh, à cette période-là sont revenus l'année d'après, mais en force, en disant, ben, on a confiance, quoi. le gars, on ne le connaît pas. Il aurait pu nous voler et il nous a rendu l'argent et on a explosé comme ça. quoi. Donc, ça, c'était un petit peu l'idée. Euh, après, notre business, il y a beaucoup moins de risques que, que le vôtre. Euh, vous générez beaucoup plus d'argent aussi. Euh, mais nous, c'est plus des services et on est payé par rapport aux services qu'on fait. Donc, c'est quand même beaucoup moins risqué. À partir du moment où tu as une structure, tu es transparent avec le client et que tu es euh, honnête. Bah, voilà, tu ne sais pas te planter comme, comme dans d'autres business quoi. Comme, comme la crypto, tu peux perdre énormément, comme tu peux gagner beaucoup d'argent aussi quoi. Donc euh, la structure est quand même plus, je ne vais pas dire plus fiable, mais plus, plus centrée quoi. Donc, euh, donc voilà. Sinon pour le reste jusqu'à présent, je touche du bois, on, on essaye de gérer ça comme il faut et on n'a pas vraiment, vraiment eu d'échec. Euh, après il faut toujours se méfier un petit peu des gens partout où vous allez. C'est pas parce qu'ici vous êtes au soleil que vous pouvez faire confiance à tout le monde. Il y a plein de personnes. Bon, J'étais indépendant déjà pas mal de temps en Belgique avant d'arriver ici. Et il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Vous arrivez dans un endroit, c'est tout beau, c'est tout rose. Il y a des jolies filles à la plage, mais s'il y a quelqu'un qui vous encule, il est derrière vous quoi. Ça c'est certain. Donc euh... c'est Donc, là où vous devez vraiment essayer de cibler, faire attention à qui vous parlez et euh... Et voilà. Ouais. D'ailleurs, je réagis là-dessus, mais tu as 100% raison. La première fois que je suis arrivé à Marbella, tout était beau, tout était rose. Il y avait des belles filles à la plage aussi, mais je me suis bien fait enculer. Euh... Ouais, je ne parlerai pas de tout ça, sinon je ne vais pas me balancer des vidéos, si tu veux. <laughs> Et euh, ouais, j'ai perdu, je ne sais plus combien, j'ai perdu, je crois, 25 000 euros quand je suis arrivé sur Marbella. Donc, c'était aussi un autre échec avec un faux fiscaliste, etc. Enfin, bref, c'était une grosse histoire. Et. Euh... Et ouais donc comme tu dis il faut vraiment faire, faire attention justement, justement à ça. Et rappelle-toi aussi on va pas parler business mais on en a déjà discuté plusieurs fois un moment à la plage je t'ai dit tes jeune, tu réussis tu es à Marbella mais calme-toi parce que ici les tentations sont vraiment énormes et tu peux très vite très vite très vite te planter au niveau financier parce que tout est exagéré ici. Donc, tu parles pas business, mais tu peux vraiment très vite perdre de l'argent. Et si t'arrives pas à être focus exact. dans ta ouais. tête, tu pars en vrille mais complet. Que ce soit mmh. drogue, pute, sortie, voiture, tout ce que tu veux, ça peut. Tu peux plus vite dépenser ton argent que tu le gagnes. Non, c'est ça, exactement. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux aussi. Même quand je suis parti en Thaïlande, des gars qui arrivaient avec euh, des comptes bancaires avec des centaines de milliers d'euros, et après genre deux mois, il y avait plus rien parce qu'ils ont tout dépensé en pute, en alcool et tout ça. Et ça peut. Et en fait, l'argent, on, on croit que genre 100 000 ou 200 000 pour certaines personnes, voilà, ça peut paraître des grosses sommes d'argent, mais en un mois, tu peux vraiment tout dépenser, quoi. Donc il faut vraiment faire très, 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 très attention à ça, quoi, ouais. C'est clair, ici, ici, nous, on est là depuis 8 ans. On en a vu beaucoup passer. Il y a plein de Belges, parce que nous, on est Belges aussi, donc c'est une petite communauté. On a vu plein de gens arriver avec beaucoup d'argent. Ils ont très vite réussi, mais ils sont très vite rentrés avec la queue entre les jambes aussi. Quoi. Ouais, il y en a eu pas mal des e commerçants justement, ici, comme euh, moi, j'ai vu aussi, qui sont arrivés ici ils se sont achetés 2, 3, 4, 5 Rolex. Et trois mois après, ils ont revendu les cinq Rolex. Ils ont dû retourner chez papa et maman parce que ils avaient tout, ils avaient tout flambé en boîte aussi. Il y en a eu plein. Et dans des endroits comme ici, c'est ici où tu vois le plus justement d'histoires comme ça parce que c'est. Je veux dire, tu as, as, as tout, on était dans les boîtes, ça peut, ça, peut, ça peut vite partir. Donc, en effet, ça, il faut vraiment, faut vraiment être très, faire très attention et, et être, euh, avoir surtout un mental solide. En fait. Parce qu'il y a tout le monde qui sort, tu as toujours un pote qui va sortir, qui va t'emmener avec toi de style. Et quand tu commences à tomber dans l'engrenage, ça peut, ça peut vite être dangereux. Et ça, c'est vu par, par, par pas, pas mal de personnes qui sont tombées à cause de ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, nous, dans notre domaine. On a toujours quelqu'un qu'on connaît, qu connaît, qui est là dans un de nos appartements, qui est en vacances, donc qui est là pour faire la fête. Donc, euh, si je dois suivre à chaque fois tout le monde, c'est pas possible. Quoi. Tu ne peux pas gagner 250 euros sur une location et mettre au soir une bouteille à 1200 euros. Quoi. Tu vois, il y a un moment, où il faut un peu réfléchir. Et, et c'est vrai que c'est pas évident. Et même quand tu es en couple ici, avec toute cette tentation où tu es obligé de travailler avec parce que les gens viennent pour ça, euh, il faut vraiment être solide dans ton business, dans ton couple et dans tout ça. Quoi. Voilà. Yes. Si jamais quelqu'un veut partager une autre euh, mauvaise expérience, sinon, euh, Victor, tu peux y aller pour, euh, pour ta question. Ok. Donc, moi, je voudrais euh, poser une question aussi à, 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 à vous tous euh, c'est la, la gestion des émotions. Euh, dans, dans, dans le business ou même dans, dans votre vie de, de tous les jours. Hein. On sait qu'il y, y a plusieurs émotions comme, euh, comme le stress, comme euh, la frustration euh, ou même la joie euh, qui est euh, exponentielle. Donc comment vous gérez vous, euh, voilà, vos, vos émotions dans, dans la vie de tous les jours et principalement dans, dans le business Personnellement, je pense que ça s'apprend beaucoup sur le tas parce que tu, tu joues au final avec de l'argent un peu tous les jours. Et si tu dois écouter tout le temps tes émotions, tu ne vas pas avancer. Parce que, justement, nous, c'est beaucoup d'analyse, on analyse des stats et on se base sur une recette. Si on doit commencer à se dire, ah, mais si, euh, enfin, par exemple, dans le concret, on teste un produit, ah, mais ce produit, il me plaît vraiment, mais enfin, ce n'est pas à toi qui doit plaire, c'est aux gens. Euh, il faut se baser sur du concret et non pas sur euh, tes sentiments. Et du coup, les émotions, c'est vraiment un truc qu'on laisse complètement de côté. Et, euh, et je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si on, si on doit tout le temps écouter ses émotions, parce que les, les émotions, c'est subjectif. Mais ce qui compte, c'est les chiffres, c'est le concret, et ce n'est pas euh, ton ressenti, tes sentiments par rapport euh, à, à plein de choses. Donc, euh, je pense que tu peux pas t'en sortir si tu si écoutes tes émotions tout le temps. Ouais, par rapport aux émotions, euh moi, j'ai aussi appris justement à les gérer, par, euh, comme Martin le disait. Et euh, moi, je me rends compte que. Euh, on, en fait, on a tous souvent tendance à penser au pire qui peut arriver. C'est parce que l'humain est comme ça. On se dit toujours euh, le pire, c'est que je perds de tout, ou c'est que je dois recommencer de zéro, ou euh, si je fais mal les choses, il peut se passer ça ou il peut se passer ça. Et en fait, on est vraiment conditionné à faire ça. Et le problème, c'est que quand on pense au pire. En fait, c'est juste une pensée, et en fait, c'est une grosse perte de temps, et c'est encore une plus grosse perte d'énergie parce que ça va te mettre dans un bad mood, ça va t'envoyer des énergies négatives, etc. Et généralement, moi, j'ai remarqué que dans 99% des cas, la pire chose n'arrive jamais, en fait. Elle n'arrive jamais. C'est juste toi qui la provoque dans ta tête, et donc ça te met toi-même dans, dans un bad mood, dans un bad mood. Alors que aujourd'hui, dès que je vais commencer à penser à la pire chose, parce que ça m'arrive encore, toujours, tous les jours, mais ben à chaque fois, je me dis, ça sert à rien de penser à ça. De toute façon, même si la pire chose arrive, ben, tu sais quand même rien faire. Elle arrivera, et dans 99% des cas, elle n'arrivera pas en fait. Donc, je préfère changer le truc dans ma tête et de me dire, ben, finalement, au lieu de penser au pire et de stresser, ben, euh, avance, fin, pense plutôt à un truc positif. Quoi, change, euh, change to, to, ta pensée négative en positif. Interprète la chose de manière différente en retournant la chose, et euh, ça permet aussi d'être mieux, je trouve, dans, dans sa tête. Quoi. Je peux vite rebondir sur ce que tu viens de dire. Voilà, moi, j'ai une formule qui est très simple et que j'applique tout le temps, c'est E plus S est égal R. Et c'est vraiment ce que Lucas vient de dire, c'est on a un événement, la signification qu'on va donner à l'événement va nous donner un résultat. Vous n'avez aucun contrôle sur tous les événements. Vous avez le contrôle sur la signification que vous pouvez donner à cet événement. Et il peut être positif ou négatif. Vous êtes des entrepreneurs, vous voulez aller de l'avant. Donner la plupart du temps une signification positive à un événement, même si l'événement est négatif, vous allez en sortir un résultat positif. Et moi, c'est ça. Et deux aussi, c'est avant la formule, c'est de se dire Est-ce que j'ai le contrôle dessus ou pas Si vous n'avez pas le contrôle dessus, laissez tomber. Sinon, vous allez dans votre tête faire les 99 films et ils vont même pas sortir. Ce sera le centième film que tu avais même pas prévu. Donc moi, c'est les deux choses. Et moi, c'est ce que j'applique tout le temps en immobilier aussi, quand je fais de l'achat sur un immeuble, il y a des choses que je peux contrôler, d'autres choses que je ne peux pas contrôler. Tout ce que je ne contrôle pas, je ne le prends pas en compte parce que je ne sais pas les changer. Et c'est la même chose pour les émotions. Donc, voilà. Enfin, voilà, je vous les parce que c'est finalement la formule. Voilà. Ouais, 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 je, vous rejoins, je vous rejoins à fond. Ben, pour donner l'exemple, par exemple, enfin, de, de membres du mentorat, ben, ce qu'on dit souvent, c'est que quand tu gagnes de l'argent ou que tu perds de l'argent, il y a toujours quelque chose à, à en tirer, que tu sois content ou pas content. Plutôt que de te dire ⁇ Je suis triste, etc. ⁇ essaie de prendre du recul et de, de te poser la question ⁇ Ok, pourquoi sur ce coup-là j'ai perdu de l'argent ?⁇ Et inversement, ⁇ Ok, pourquoi j'ai gagné de l'argent Souvent on en gagne, mais on ne se demande pas ⁇ Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour en gagner on, ?⁇ On se dit juste ⁇ On a gagné, allez hop, on est parti ⁇ Moi, dès que j'en gagne je me, enfin, ou que j'en perds, je prends toujours du recul et je me dis oh, ⁇ qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, qu'est-ce qui ressort, comme vous l'avez mis en avant, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je peux en, en conclure. Et très souvent, plus dans le cas, on va dire, négatif, quand je perds de l'argent, je me dis que, bon, techniquement, en réel, je vais bien, ma famille va bien, tout va bien ici. Ce n'est pas si grave que ça, c'est de l'argent, je vais en faire, je vais en perdre, je vais en regagner. C'est un outil qui sert à transmettre de la valeur et j'essaie de me... de, 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 de plus accorder cette... Importance à l'argent et me dire que c'est davantage un outil en fait, juste que euh, tout ce qui est toute ma vie, etc. Pas du tout quoi. Donc voilà. Alors, ça c'est très intéressant la gestion des émotions. Il y a deux choses. Il y a la manière dont tu vas le gérer avec le cerveau et il y a la manière dont ton corps va le traiter. c'est pas parce que mentalement vous pensez être capable de gérer vos émotions que votre corps va le gérer de la même manière. Ok des fois, on va se dire oui, c'est bon mon mindset, etc. Et le corps va vous chier quelque chose, un problème, une tension, etc. Donc le corps parle beaucoup. Tout le monde a des émotions. Là, à l'immédiat, si on se met chacun, on a un million qui tombe sur le compte, je suis certain que tout le monde s'attend l'air. Donc, à partir de là, personne ne gère ses émotions. Okay tu dois gérer tes émotions aussi bien dans la réussite que dans l'échec. Et c'est un, un, un très bel exercice, ce n'est pas évident. C'est de rester, voilà, on reste toujours équilibré, dans la difficulté ou dans la réussite. Je vois beaucoup chez les jeunes entrepreneurs que j'accompagne, voilà, c'est leur premier conteneur pour certains ou d'autres, ils n'ont pas forcément les débuts qu'ils avaient espéré. Ça prend un peu de temps à lancer un business, etc. Peu importe le domaine. Et on voit, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de stress, etc. Alors que voilà, il y a besoin de prendre du recul. Ça, vous l'avez dit, c'est toujours analyser, prendre du recul sur. Sur ce qui se passe, c'est un principe, c'est un savoir hermétique, c'est le principe, c'est la loi de la polarité en fait. Il faut savoir que le jour la nuit, c'est tout simplement la même chose, c'est un continu, d'accord. Il y a le milieu qui te fait basculer dans la nuit, le milieu qui te fait basculer dans le jour. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre. Idem. Lorsque, ça va parler certainement à ceux qui ont des chaînes YouTube ou autres, lorsqu'on se fait agresser ou attaquer sur les commentaires, ça aussi c'est de l'émotionnel à gérer, se dire que c'est la même chose. Un client ou un, un commentaire positif, ça doit te faire le même impact qu'un commentaire négatif. Parce qu'en fait c'est la même chose. Quelqu'un qui est content va le dire. Il va poster un commentaire, il va mettre un like, etc. Et une personne qui est mécontente va faire la même chose. En fait, le résultat final, c'est de la visibilité. Au final, tu peux en tirer quelque chose de positif. Donc voilà, moi, c'est un exercice pour ça, pour essayer de maîtriser mes émotions. J'ai le sport, c'est un super exutoire. J'ai la méditation aussi. Vraiment prendre le temps d'analyser, je suis quelqu'un qui est très très impulsif, explosif dans le passé. surtout, j'ai appris à temporiser. C'est vraiment un, un, un combat la gestion de ses émotions. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller très loin. Quoi, je, je le dis parce que des fois on s'excite parce qu'on est heureux, et puis à contrario, si tu t'excites quand tu es heureux, tout le monde t as un virement sur le compte bancaire, on est tous contents. Donc, à contrario, tu, tu as l'inverse de cette de, 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 de ce résultat. Hein. Si tu as une perte financière, si tu es heureux quand tu as un virement, tu as automatiquement une déception lorsque tu as une perte. Donc il y a un travail à faire là-dessus. C'est très important. Ouais, bah moi, c'est un peu tout ce qu'ils ont dit. Donc c'est plus ou moins la même chose. Mais honnêtement, moi, un truc, moi aussi, je suis un peu comme Fabien. Je suis hyper impulsif. Euh, mais j'ai appris à me contrôler au fur et à mesure des années. Et un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, le sport. Je, je fais beaucoup de sport. Ça m'aide à sortir la tête du guidon. Et. Euh, euh, Oh, je fais plein de sports, je vais à la salle de sport, paddle, foot, un peu de tout, quoi, tennis. Euh, et honnêtement, c'est vraiment pas mal pour apprendre à gérer ses émotions parce que bah, tu penses vraiment à autre chose. Et euh, en plus, ça te donne un boost d'endorphine de, énorme. Donc, euh, donc ça, et j'ai commencé aussi la méditation. Bon, là, ça fait un petit temps que je n'en ai plus fait, mais euh, je devrais reprendre. Et ça m'a aussi beaucoup aidé, honnêtement, même si ça paraît hyper cliché et tout ça. Je, je peux vous le conseiller quand même, juste essayez une fois. Euh, vous allez voir que vous êtes dans votre bulle. Euh, vous faites ça une fois tous les matins, même cinq minutes. Enfin, c'est vraiment top. Euh, donc ouais, moi c'est plus ou moins ce que j'ai trouvé pour apprendre à canaliser mes émotions. Et aussi, je pense, bon, j'ai que 25 ans, je suis pas hyper vieux, mais en vieillissant, j'ai appris à, à plus me contrôler parce que quand je, quand je me vois, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais 19, hein, 20. Là, c'était un peu plus explosif. Du coup, euh, je pense qu'avec la maturité, on apprend un peu plus à, à canaliser tout ça. Quoi. Yes, juste pour conclure là-dessus, euh, pour répondre à la question sur les émotions, euh, moi, avant, le problème que j'avais, c'était que par exemple, s'il y avait un truc qui allait arriver dans 15 ou 20 jours, j'avais déjà tendance à stresser avant et à me dire Oh putain, ça va arriver, euh, comment je vais faire et tout ça. Et en fait, je suis tombé une fois sur une citation, et ça, a, ça a totalement changé ma vision des choses. La citation, c'est juste, « Ce qu'il y a de mieux avec l'avenir, c'est qu'il n'arrive qu'un jour à la fois. » Et quand j'ai lu cette citation-là, je me suis dit, en fait, c'est vrai, genre, en un jour, tu sais faire tellement de choses, tu sais gérer tellement de problèmes, tu sais act actionner des contacts qui vont t'aider à, à solutionner le problème qui va arriver avec une échéance. Et finalement, même si le problème il arrive dans trois jours, même s'il arrive dans deux jours, ben, il te reste quand même une journée complète. Et dans une journée, en tant qu'entrepreneur, tu sais tellement abattre un travail de fou que finalement, ça m'a permis vraiment de relativiser et de, 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 de beaucoup moins en tout cas stresser quand il y avait justement des échéances avec des trucs à faire, etc. Quoi. Voilà pour la question sur l'émotion. Une autre question Euh, J'avais une question bah, qui est aussi un peu reliée aux émotions, mais euh, plus au niveau motivation personnelle. Euh, après avoir atteint un certain niveau de succès, comme le vôtre, ou un taux de réussite, euh, quelles sont vos motivations intrinsèques, en fait, à poursuivre la machine de guerre et de toujours euh, atteindre plus haut et plus haut et plus haut et jamais s'arrêter Voilà. Bah personnellement, je pense que l'être humain n'est jamais satisfait dans tous les cas, et donc peu importe le niveau de succès dans lequel tu vas être, tu vas toujours avoir envie d'aller plus haut. Et déjà, ça, c'est une motivation motivation naturelle. Euh, mais sinon, euh, sinon c'est pour ma part, simplement des objectifs que j'ai sur le long terme et je m'y cramponne et je vais toujours dans cette direction. Et, et le but, c'est, ça va être d'aller vers ces objectifs, de les réussir et dès que, dès que je les ai atteints, bah, d'en trouver des nouveaux, des nouvelles motivations. Et, euh, et ouais c'est vraiment ça. Ouais, euh, par rapport à ça moi c'est vrai qu'avant je travaillais beaucoup pour gagner de l'argent euh, et c'était vraiment ça donc je vais mettre ça en place pour gagner de l'argent etc. Et euh, aujourd'hui je fonctionne quand même différemment et aujourd'hui en fait je fais, je fais seul enfin, pas seulement mais en grande partie, j'avance dans mon travail vraiment avec des choses qui me font vibrer à fond en fait. Euh, et c'est cool parce que vu qu'on travaille dans un métier en ligne entrepreneur, ben, quand tu avances dans des projets qui t'animent et qui sont directement liés à l'argent, ben, l'argent arrive naturellement en fait. Et avant, je me focalisais sur l'argent et donc pour avoir l'argent, je devais lancer un projet. Alors que maintenant, j'avance sur des projets qui me font vibrer et l'argent arrive. Euh pas, enfin par derrière. Et du coup, je me rends compte que quand tu pas seulement sur l'argent, mais que tu avances sur un projet qui te fait vibrer, il y a encore plus d'argent qui arrive. C'est assez bizarre que quand tu veux seulement gagner de l'argent et que tu veux uniquement que l'argent arrive sur ton compte, tu vas en gagner, mais pas de la même manière que si tu avançais vraiment sur un truc qui te faisait kiffer, parce que tu avances beaucoup plus vite. Quand, quand ça te fait vibrer. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça, je prends du recul et je me dis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait kiffer. Euh, J'avance vers, ce, vers cet objectif-là, je, je réalise le projet et euh, je me sens beaucoup plus accompli. Et en plus de ça, je gagne de l'argent. Donc euh, c'est ça qui me permet de rester euh, et de continuer justement à, à travailler. Quoi. Ouais. alors de ce côté-là, euh, je pense que ça dépend déjà dans un premier temps de tes objectifs. Peut-être que. Enfin, je sais qu'on est tous derrière l'argent, etc. Mais j'imagine qu'il y a des périodes quand même dans la vie, enfin, je le sais, il y a des périodes où on va peut-être être focus sur d'autres choses. Peut-être que pendant une période, tu seras peut-être moins focus sur faire plus d'argent, faire plus d'argent, et tu seras peut-être plus focus sur faut que je prenne soin de mes proches, faut que je fasse plein d'autres choses. Donc je pense qu'il faut que tu fasses en fonction de toi, de ce que tu ressens et de tes objectifs. Peut-être que euh, tu as ce besoin, par exemple, d'être avec ta famille, etc. Ben, quand ça va être bon. Tu vas peut-être avoir quelque chose d'autre qui va arriver, d'autres objectifs, d'autres petites choses. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Une fois de plus, une question qui est, qui est super intéressante. Tu l'as dit, hein, Lucas, faire ce que tu aimes, le faire bien, et logiquement, le résultat, c'est d'avoir de, de l'argent. On est tous dans le business. Pour une chose, il ne faut pas se le cacher c'est l'argent. Il y a d'ailleurs un grand philosophe, Bouba, qui a dit. Euh, qui a dit l'argent c'est le carburant pour la liberté et c'est vraiment là une très belle une très belle phrase ça permet vraiment d'être libre et aussi euh, quand tu es en situation confortable lorsqu'il y a beaucoup d'argent tu tu es on est vraiment dans une situation luxueuse mentalement on n'a pas peur du lendemain etc donc euh, pour répondre à ta question moi je continue ce ce que je fais parce que j'aime, j'ai l'impression vraiment de m'amuser dans ce que je fais, J'ai pas vraiment l'impression de travailler. Donc je continue de le faire au maximum pour à la fois avoir plus de visibilité et également avoir plus d'argent parce que voilà ma vision, ma vision à moi sur la richesse, c'est tu vois le jet privé, c'est de pouvoir vraiment voyager où je veux, ne plus perdre de temps parce que la vraie richesse c'est le temps. Tout ce qui peut permettre de gagner du temps, l'argent peut permettre, voilà, d'économiser du temps. Tu vas avoir ton jet privé, etc. De plus euh, perdre du temps inutilement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà, je me dis, euh, c'est un résultat. Si je dois avoir beaucoup, 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 j'aurai beaucoup. Si c'est pas écrit comme ça, je me casse pas la tête. Mais je ferai vraiment de. Je suis toujours motivé. Je suis pas assis dans le business. J'en ai jamais assez sans non plus chercher à en avoir plus. Mais je reste dans cette mécanique-là. Tout est bon à prendre les bras ouverts, quoi. Euh, ok. Donc euh, moi, par rapport à ma motivation, je veux dire pour, personnellement, mais c'est pour tout le monde aussi comme ça. C'est que tu es la personne aujourd'hui que tu es maintenant. Dans cinq ans, tu seras une personne différente. Les besoins évoluent aussi. Si moi j'ai comparé comment j'ai commencé mon business, je pense que je suis rentré un moment dans l'immobilier pour un besoin de réussite et d'existence. Après ça a évolué vers j'ai un besoin de variété. Je veux voyager, j'ai besoin d'argent, donc c'était un besoin de pouvoir faire des choses différemment. Aujourd'hui je suis devenu papa depuis peu, enfin depuis deux ans maintenant. J'ai besoin de ce besoin de sécurité et de stabilité. Donc chaque fois il y a une motivation qui sera différente. Mais je rejoins aussi, je le fais avec le plaisir. Si aujourd'hui je ne prends plus de plaisir dans un business, je le fais plus ou je ne le fais pas du tout. J'ai eu l'opportunité de rentrer par exemple dans un business que je ne connais pas du tout, les médias, mais je sais que je vais prendre du plaisir à apprendre et voir de nouvelles choses et peut-être que j'ai voilà, de nouveau ce besoin de variété, de faire un truc différent ou en plus. Donc c'est à toi de voir quel est ton besoin aujourd'hui. Et on en a aussi discuté, la motivation pour l'humain, c'est deux choses. C'est éviter la douleur ou aller vers le plaisir. Et tu dois regarder lequel des deux te fait le plus mal pour bouger. Ça, c'est vraiment pour y aller. Et puis par rapport aux limites, euh, moi j'aime bien euh, en immobilier, par exemple, je vois l'immobilier comme chaque fois des trophées. J'adore. Je fais une collection. Au lieu de faire une collection de timbres, ben, je fais une collection d'immobilier. Ça peut faire rire des personnes, mais un de mes mentors me disait aussi... Si tu le fais pour 1000 euros ou pour 100 000 euros, ça va te prendre le même temps, ça va te prendre la même énergie, tu vas avoir les mêmes problèmes, donc fais-le pour des grands montants. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je suis arrivé finalement en immobilier. Mais si ça peut vous s'appliquer sur d'autres choses de votre vie, prenez-le aussi, mettez-le dans le sac à dos. Tout ce que vous pouvez prendre, vous mettez dans le sac à dos. Ce que vous ne souhaitez pas, vous ne mettez pas dans le sac à dos. Ça, c'était aussi ma vision. Voilà. Okay. Euh ben moi enfin c'est un peu tout ce qu'ils ont dit encore une fois honnêtement niveau motivation je dirais que à partir d'un certain stade tu es vite comme ils ont dit tout à l'heure on évite vite lassé, je veux dire par tout ce qui est matériel etc je veux dire tu peux tu peux acquérir un peu de tout assez rapidement il faut pas être multi multimillionnaire pour acheter une belle voiture acheter une belle montre ou quoi donc donc c'est vrai que à part ça je dirais que tu dois, comme ils ont dit, kiffer ce que tu fais et euh, c'est trouver vraiment un truc qui te plaît. Euh, moi, par exemple, j'adore vraiment ce que je fais parce que je peux le faire quand je veux où je veux. Il y a des moments où quand ça me saoule, ben, j'arrête de le faire. Euh, du coup, ouais, ma, ma motivation, c'est juste, bah, je sais pas. juste que j'aime bien ce que je fais, donc je continue. En fait, et l'argent, évidemment, mais euh, mais c'est pas c'est pas une finalité, quoi. Merci. Et au final, qu'est-ce qui vous fait garder les pieds sur terre Parce que on entend tous ces e-commerçants qui arrivent, à... comment On entend tous ces e-commerçants qui arrivent ici ou qui arrivent dans d'autres, dans d'autres pays, d'autres villes, et puis qui, qui qui arrivent au top et qui perdent tout et qui retournent à la case départ. Et, et vous, vous en êtes là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous fait garder les pieds sur terre moi, je pense, en tout cas pour ma part, euh, le truc, c'est que je pense que j'ai eu une bonne éducation financière dans le sens où euh, j'aime bien flamber de temps en temps, mais je ne suis pas quelqu'un qui va, qui va dépenser des milliers, des milliers en boîte de nuit, par exemple. Du coup, je pense que ce qui fait garder l'épée sur terre, c'est essayer de rester un maximum humble euh, et, et essayer de jamais prendre la grosse tête, parce que ça peut aller vraiment vite. Surtout quand tu gagnes, tu fais des mois où tu gagnes énormément, énormément d'argent. Euh, tu es jeune, tu gagnes de l'argent, tu fais ce que tu veux, c'est limite si tu peux acheter les gens. Euh, donc, euh, donc, moi, je pense que pour enfin, rester les pieds sur terre, il faut vraiment rester humble et pas oublier euh, surtout d'où tu viens, comment tu as commencé et euh, ouais, d'où tu viens surtout. Et pour ma part, je pense que ça va un peu dans le même sens de, que le contrôle des émotions. Il ne faut pas s'emballer dans tous les cas. Il faut rester neutre, peu importe que les choses se passent bien ou mal. Évidemment, si ça se passe bien, on est content, c'est super. Mais euh, si ça se passe mal, il faut se remettre en question et, euh, et pas s'emballer dans tous les cas. Et alors, une deuxième chose aussi qui, qui me fait garder l'épée sur terre, c'est par rapport à mon entourage. Euh, je sais que c'est des personnes saines, que je connais depuis longtemps. Euh, on se côtoie euh, ouais, depuis longtemps. Dans, dans mes amis, etc. Et ils ne sont pas tous dans l'entrepreneuriat et je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Et du coup, rien que le fait d'être avec eux, ça me rappelle un peu la, la normalité ou du moins ce que la, ce que la société nous dit, nous dit comme être normal. Et, et du coup, ouais, un entourage vraiment solide et des personnes que tu connais depuis longtemps, je pense que c'est vraiment primordial. Et, et pour moi, les personnes qui vont... Qui vont tout flamber, etc. C'est des personnes qui ont voulu trop vite monter les échelons. Et dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils se sont dit OK, bah, tous mes potes euh, que je connais depuis toujours, je les laisse tomber, je me fais un nouveau cercle, euh, que des gens successful, etc. Et euh, imaginons bah, si tous ces gens sont multimillionnaires et que, et que toi, bah, tu as quelques centaines de milliers d'euros, si tu veux les suivre au niveau du train de vie, etc., ça ne va, ça va pas forcément le faire. Et puis après, c'est dur de mettre son ego de côté et de se dire. Euh, bah, au final, il faut, ouais, il faut rester vraiment euh, humble et calme et du coup, euh, vraiment ces deux choses-là. Donc euh, le, le, le contrôle de ses émotions et garder un cercle euh, proche et que tu sais être sain. Euh, donc moi, par rapport à ça, je dirais c'est les valeurs. Enfin, les valeurs sont très importantes et ça tu l'as via l'éducation, l'entourage et quelque chose qui m'a aussi fort aidé, euh, bon moi dans ma vie avant j'adorais sortir on se faisait des bonnes soirées même des journées ici à Marbella où euh, on dépassait les 10 15 000 euros parfois pour une journée je suis passé par là pour savoir ce que ça faisait aussi je sais ce que c'est je ne veux plus mais j'ai dû le tester euh, enfin ce que moi aussi j'ai vu c'est que en faisant ben, voilà des séminaires des mastermind être suivi coaché tout ça c'est là aussi où tu apprends à avoir, à garder les pieds sur terre. Et aussi, quelque chose, c'est de se dire quand tu gagnes un million, deux millions, trois millions, il y aura toujours d'autres personnes qui gagnent beaucoup plus. Donc finalement, mais il ne faut pas se comparer par rapport aux autres. Mais c'est juste se dire euh, une petite anecdote, quand j'ai gagné mon premier million, j'étais déjà en train de regarder avec un avocat fiscaliste pour sortir du pays, finalement, trouver des solutions. Alors tu te dis mais. C'est pas ça. Enfin, je veux dire, un moment, tu... parce que je pensais qu'un million était la limite. Alors qu'aujourd'hui, j'ai multiplié, multiplié, et cette question ne doit même plus se poser parce que les valeurs ont changé. Je pense qu'à un moment, il euh, y a deux choses. Il faut bien faire la différence entre gagner de l'argent. C'est tr très facile de gagner de l'argent. Le plus difficile, je pense, c'est de le garder après et en anglais on appelle ça money management c'est que il n'y a aucune école qui nous apprend finalement à quoi faire avec l'argent qu'on gagne. Et c'est là où je trouve que c'est le plus gagner de l'argent, on habite tous dans des pays riches. Mais après c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec l'argent Et alors aussi pour terminer, l'argent multiplie ce que tu es déjà. On en a discuté aussi ce midi. Si tu es quelqu'un de généreux et que tu as beaucoup d'argent ou plus d'argent, tu vas devenir quelqu'un de plus généreux. Si tu es un connard avec beaucoup d'argent, tu seras un plus gros connard. Je vous donne vite les deux extrêmes parce que voilà, mais l'argent multiplie ce que vous êtes déjà aujourd'hui. Donc n'allez pas non plus dire l'argent va tout changer dans ma vie. Vous allez rester la personne que vous êtes avec plus de liberté, facilité. Enfin voilà, moi j'ai toujours voulu protéger ma famille. La première chose, par exemple, que j'ai offert en 2011, c'était un appartement à Marbella. Ça, ça m'a fait plaisir. Tu vois Donc, moi, j'adore faire plaisir. Voilà. Oui, bah, pour répondre à cette question-là, moi, je pense qu'il y, enfin, y a plusieurs choses à, à prendre en compte. Déjà, de l'éducation, on l'a dit. Pour moi, personnellement, j'ai une super bonne éducation. Et euh, même si mes parents ne me voient pas, je les remercie vraiment parce qu'ils euh, m'ont vraiment inculqué des bonnes valeurs au niveau de l'argent, etc. Mettre de l'argent de côté. Deuxième concept, euh, que je, je m'en suis rendu compte seulement maintenant. Au début, tu t'en rends pas spécialement compte, mais avant, je cherchais toujours le bonheur en fait, euh, autour de moi. Euh, donc, en fait, c'était quoi C'était aller dans les boîtes de nuit, prendre les plus grosses tables VIP, euh, payer les, les, les bouteilles qui étaient assez chères. D'ailleurs, il euh, y a eu un moment, c'était avant le Covid, etc. C'était même limite abusé, euh, Arthur pourra en témoigner. Il était toujours avec moi. Euh, c'était des, 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 des boîtes de nuit. Où on, on disait, euh, voilà, on va mettre la bouteille, c'était 3000 euros, bah, c'était genre une bouteille à 30 euros. Quoi. Après, on mettait on, le lendemain, on ressortait, c'était de nouveau une boîte de nuit, c'était 5000 balles qui partaient, on divisait toujours en deux. Et à la fin du compte, à la fin des, des vacances, on regardait, euh, on avait dépensé, mais blindé euh, pour de l'alcool. Et, euh, et genre après, genre aujourd'hui, avec le recul, je me dis, euh, c'est un truc de fou parce que tu dépenses plein d'argent pour en fait un truc que as ou... le lendemain, tu as déjà oublié. Et genre, cinq ans plus tard, tu l'as oublié parce que, genre, ça te fait perdre des neurones et tout ça. Et donc... Ce truc-là, moi, tu, je pense qu'on est tous obligés de passer par là, comme tu l'as dit aussi, Yannick, quand tu commences à gagner de l'argent, tu flambes, ça passe aussi par la fête, les soirées, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, bien évidemment, je le fais encore et je le ferai encore, mais beaucoup moins qu'avant, parce que euh, ça, c'était vraiment le bonheur que tu recherches autour de toi. Euh, pareil, avant, le bonheur que je recherchais autour de moi, c'était par exemple dans les voitures. À un moment, j'en avais acheté deux et je vivais encore chez mes parents, c'était garé dans l'allée de mes parents, alors que mes parents, ils étaient salariés, ils voyaient les deux bagnoles, ils se disaient, putain, c'est quoi ce bordel Et Lucas, il a, il a 20 ans, il a deux voitures, etc. Et et, euh, et aujourd'hui, je me rends compte bah, que je ne cherche plus du tout le bonheur autour de moi, c'est-à-dire à, à vouloir flamber, acheter des trucs et tout ça. Mais le bonheur, je l'ai vraiment trouvé à l'intérieur de moi, s'il en fait. y a vraiment eu le switch. Euh, et d'ailleurs, euh, enfin, on en parlera, il faut passer encore ensemble. Mais genre même les montres, etc., bah, c'est cool, ça fait plaisir. Mais genre, euh, pff, 90% du temps, moi j'ai mon Apple Watch et euh, je suis habillé en sport, quoi, un short, un t-shirt. Euh, et je me sens plus heureux comme ça que d'avoir une belle montre, d'avoir ma voiture, d'avoir euh, des billets en poche, etc. Au final, ça te donne du bruit mental et euh, tu es plus stressé qu'autre chose en fait. Euh, que quand tu as, as moins, euh, tu arrives à avancer, es plus léger, tu arrives à avancer plus vite. Et, euh, et voilà, donc je pense que c'est la faculté de pouvoir prendre de la distance sur toi, sur ce que tu as fait, et te rendre compte finalement qu'est-ce qui, qu qu qui te rend le mieux. Et donc bah, moi je me rends compte que bah, flamber de l'argent, ça ne me rend pas du tout... Euh heureux ni malheureux, ça ne me fait rien en fait. Donc euh, je préfère euh, ne pas le faire et garder l'argent sur mon compte que, que de le faire vu que ça ne m'apporte pas plus de bonheur. quoi. pas ouais, bah de mon côté, et j'appuie, enfin je suis d'accord avec, euh, avec tout le monde, c'est vraiment du côté de, de l'éducation, de tes valeurs. Moi personnellement, j'ai été éduqué par une mère qui m'a toujours appris que, euh, que tu viennes de tel endroit, de tel endroit, que tu sois une fille, un garçon, peu importe le monde est différent, mais personne n'est au-dessus de, de qui que ce soit. Et ce ne sera pas l'argent qui va euh, me faire demain me dire que je suis meilleur que, que quelqu'un. Et surtout, ce qu'il faut se dire souvent, c'est que la roue peut tourner. La, la roue peut tourner, ça peut s'inverser. Et euh, quelqu'un qui est peut-être en dessous, entre guillemets, d'un point de vue argent, est-ce que tu peux avoir à détenir, demain sera peut-être au-dessus et toi, tu seras en dessous. Donc, euh, à mon avis, il faut sortir un petit peu de ce truc-là. Et euh, voilà. Enfin, moi, moi j'ai pas encore eu peut-être ce problème, mais j'ai toujours été très simple et très terre-à-terre terre et je suis très heureux comme ça. Alors moi, ce qui me fait garder les pieds sur terre, tu l'as dit, hein, c'est jamais oublier d'où l'on vient. Je viens d'une famille, on est très 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 nombreux, très modeste. J'ai beaucoup beaucoup de travail si je voudrais vraiment être assis dans le business. Et encore une fois, faut pas comparer, faut pas mélanger chiffre d'affaires et, et bénéfices, ça serait ça serait super. On fait beaucoup de chiffres d'affaires, mais voilà, les bénéfices c'est autre chose. Et quand bien même un mec comme Elon Musk, qui est quand même qui fait partie, qui, qui est sur le sommet, les quelques uns qui sont au sommet de cette pyramide dans le business, se mettent encore dans des situations difficiles. On voit Tesla, il y a eu des licenciements parce qu'ils sont encore à la limite. Tesla peut euh, disparaître, hein, ça reste très fragile, malgré que c'est une structure que tout le monde connaît, etc. Donc on se rend compte que tout est extrêmement fragile. Même les plus grands, on en connaît, qui se retrouvent, des grosses boîtes, etc., des cathédrales dans, ce, dans le business, qui se retrouvent à, à disparaître. Donc je pense que tu gardes les pieds sur terre, et moi, j'ai ma fille, je me dis, je veux pas non plus... Euh, voilà, lui offrir tout ce qu'elle veut, une cuillère d'argent dans la bouche, parce que après ça va être trop facile et je vais pas, euh, ça va pas être une bonne éducation, ça va pas être euh, quelqu'un qui va chercher à se débrouiller, à se dépasser. Donc voilà, ça me permet de, de garder les pieds sur terre, quoi. Je pense qu'il faut vraiment rester humble. On a encore énormément de choses à faire si on veut se dire assis dans le business. Quoi. Moi, j'ai une question aussi pour vous tous. Selon vous, actuellement, quelle est la chose la plus importante que vous faites dans votre business et qui vous rapporte le plus Quel est le plus gros effet de levier que vous faites, euh, je dirais, ouais, quotidiennement ou euh, dans votre business à l'heure d'aujourd'hui Pas très évident comme question. Moi, je dirais euh, faire un tri tout de suite entre ce qui te fait gagner de l'argent et ce qui te fait perdre de l'argent ou qui ne te fait pas gagner de l'argent. Donc euh, tout à l'heure, on a parlé de la loi de Pareto, mettez ça tout de suite en place pour voir finalement où ce que je gagne de l'argent, où je gagne pas de l'argent, ces activités où tu gagnes pas d'argent, laisse-les tout de suite tomber pour pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir faire le levier parce que finalement, c'est comme ça que tu vas aller plus vite. Donc moi, j'ai fait en 2016-2017 un très gros tri dans tout. J'ai eu beaucoup plus de temps, j'ai même je suis passé de 17 employés à plus que une employée et sur la même année j'ai fait 700% de bénéfices en plus tu vois j'ai vraiment switché tout le système parce qu'à un moment je me suis dit il y a ça ça qui va pas donc et ne pas attendre si à un moment tu le sais prends la décision bon, ouais, moi c'est ce que j'avais appliqué en 2016 2017 et depuis lors bon, voilà. ouais, pour, pour mon cas moi c'est euh... Euh, c'est vraiment de travailler sur la structure et d'avoir la structure la plus solide possible. Alors ça prend du temps. Euh, du coup, vu qu'on qu travaille sur la structure, donc c'est engager des hommes et les placer aux bons endroits pour pouvoir scaler en fait, euh, encore plus. Euh, mais c'est vrai que ça prend du temps, ça lourdit la machine. Mais une fois qu'elle est en place, là tu peux vraiment aller chercher des, des chiffres hallucinants. Donc avant de, comment dire, d'avoir la patte du gain et d'aller chercher beaucoup tout de suite, je préfère vraiment avoir une structure qui est très très solide et de pas avancer juste avec les quatre roues d'une voiture et euh, et genre le capot, alors qu'il manque les fenêtres, il manque le coffre, etc. Je préfère vraiment que la voiture soit complète avant de, de passer la première, de mettre la deuxième, etc. Pour, euh, pour vraiment pour viser long terme. Quoi. Donc c'est vraiment ça c'est de travailler toujours sur la structure, sur l'équipe, le management, pour être sûr que l'équipe soit prête, que l'équipe puisse aussi gérer d'autres personnes en dessous d'elle, euh, bah, afin qu'on puisse aller le, le plus loin possible. Oui, je valide. Hein. Je suis dans l'équipe, donc euh, je valide. C'est <laughs> <'est> le cas. <laughs> Non, mais euh, je pense, moi, de mon côté, je suis plus focus sur le produit. Donc, ça va être vraiment de, euh, de faire tout le travail, un petit peu mâcher le travail, si je puis dire, de faire les analyses régulières de marché, voir dans quel environnement on est, chercher aussi tous les projets. Je pense que si je devais partager aux membres tous les projets que je vois passer dans la journée, ça aurait été compliqué. Donc, je filtre vraiment au maximum. Et euh, je pense que c'est la partie la plus importante parce que c'est à partir de là que les membres vont pouvoir aller faire de beaux bénéfices. Et bien évidemment aussi, on ne l'aborde pas assez, mais ne pas perdre d'argent. C'est facile en crypto, en, en faisant tout et n'importe quoi, d'aller perdre de l'argent. Donc je pense pour moi que c'est la partie la plus, la plus importante, à mon avis. Euh, moi, personnellement, je pense que dans mon business, c'est la prise de décision rapide. Euh, honnêtement, je dirais cette dernière année... Le switch que j'ai fait, c'est vraiment d'arrêter de perdre du temps sur les trucs débiles. Euh, donc, par exemple, les produits, etc. Je n'ai vraiment plus aucune attache. Je suis comme un robot, en fait. Et, euh, et du coup, ben, honnêtement, ça a vraiment changé ma vie parce que ben, je, je respecte ce que je me suis fixé. Donc, je respecte mes règles, etc. Et puis après, ben, je prends la décision ok, ça marche, tant mieux, je scale, ça marche pas, je passe au, truc, euh, au prochain produit. Et, euh, et honnêtement ça a fait la différence parce que bah je perds plus de temps en fait je suis juste euh, comme je t'ai dit hein, comme un robot et euh, et euh, ça marche bien donc voilà. Alors chez moi ça va être la disponibilité quand j'en parlais tout à l'heure je vis en République dominicaine j'ai beaucoup de clients qui sont sur le fuseau horaire européen et j'ai mes équipes également en Chine donc c'est vraiment quelque chose tu vois je je peux me réveiller à 4h du matin pour répondre à mes équipes, tout comme je peux prendre le temps aussi de faire une sieste l'après-midi pour justement pouvoir gérer ce, ce timing-là, afin d'être disponible. Je veux vraiment être en mesure, parce que le business, il y a des opportunités qu'il ne faut pas louper. Quoi. Autant aussi bien à l'achat qu'à la vente. Tu vois, c'est quand il y a un client qui te contacte, etc. Il faut savoir dégainer rapidement, être disponible, gérer une problématique aussi. Quand tu as un problème, un conteneur en douane, etc. Il faut être euh, disponible. Et ça, pour moi, c'est vraiment le, le facteur, euh, le facteur le plus important dans, dans mon business, la disponibilité. Je veux tous ceux qui bossent avec moi, dans leur mindset, c'est je veux obtenir une réponse de Fabien. Il est là à côté de moi. Quoi. Ça, c'est vraiment la chose que je veux. Quoi. Pour ma part, ça va être d'analyser tout le process, décomposer vraiment toutes les tâches une par une, toutes les tâches que, qui doivent être faites, et voir ce qui va me rapporter le plus d'argent. Je veux dire directement. Il y a, il y a des tâches qui ne me rapportent pas d'argent, elles sont indispensables, mais du coup cette tâche-là, je vais les déléguer et euh, directement, et je vais faire plus que les tâches qui vont rapporter de l'argent. Et euh, par exemple, les tâches qui rapportent vraiment de l'argent, euh, par exemple en e-commerce. Ça va être euh, tout ce qui est publicité, ce qu'elle est, etc. Je me focus là-dessus et tout le reste, je, je délègue au maximum. OK, top. Merci les gars. Euh, ben, dans l'entrepreneuriat, de manière générale, peu importe le business, il voilà, y a toujours des, des choses à gérer, des tâches à faire, même le, le week-end. Et moi, je me demandais vraiment comment vous, vous faites euh, pour vous mettre certaines limites, euh, pour avoir au final un bon mix euh, et une bonne gestion, euh, trouver un bon équilibre au final entre la vie privée et vie professionnelle, sans que ces limites que vous vous fixiez en termes de temps, etc., ben, euh, empiètent sur, sur vos résultats, en fait, sur, vos, sur vos chiffres d'affaires. Comment vous faites pour, pour vraiment avoir cette, cet équilibre-là Oui, donc, euh, mais moi, c'est cette question que je me suis posée quand je suis devenu papa. Euh, je me suis dit, ouf, je vais avoir moins de temps pour le business et finalement gagner moins d'argent. Et au contraire, ça, ça, ça a été une motivation de faire beaucoup plus. Euh, moi, je regarde aussi chaque dossier en termes de plus euh, combien de l'heure je gagne, mais plutôt comme euh, ce dossier va me faire gagner autant. Et donc pouvoir aussi switcher sur ça je prends, ça je fais, ça je fais pas. Donc euh, dire non à un business aussi est très difficile. C'est plus facile de dire oui à quelque chose qui passe que peut-être aussi parfois à un moment se dire celui-là je le prends pas pour attendre un meilleur qui va arriver. Donc euh, ça et euh, aussi euh, ne pas avoir peur d'éteindre son téléphone quand tu es en famille, euh, mettre en mode avion par moment aussi. Pas tout le temps, mais quand même se dire, voilà, si je suis deux heures avec ma famille pendant deux heures, ben, j'éteins mon téléphone pendant deux heures. faut pas avoir peur d'éteindre son téléphone à un moment pour pouvoir profiter du moment présent. Vraiment, se profiter du moment présent, parce que si tu es avec ta famille et que tu penses à ton business, tu n'es pas présent. Et à un moment, ils vont s'y le sentir. Donc ça, il faut vraiment euh, un équilibre à 100%. Je pense que ça n'existe pas. Ça, c'est bullshit de pouvoir dire trouver un équilibre qui fonctionne. Mais c'est aussi de pouvoir être réaliste et transparent avec soi-même. Tel moment, je travaille. Tel moment, je prends de la distance pour en profiter. D'accord. Mais là, je pense que le plus important, c'est de pouvoir éteindre son téléphone par moment. Moi, à un moment, je, enfin, je, je partais, j'ai fait plusieurs fois le Kilimanjaro, qui était pour moi, mon moment à moi, pour me ressourcer, retrouver. J'adorais parce qu'il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière année Ils ont mis du Wi-Fi à chaque étape, jusque 5000 mètres. Ça m'a dégoûté parce que finalement, tu n'es plus déconnecté. C'est euh, voilà, l'anecdote que je voulais vous donner par rapport à ça, mais éteindre son téléphone par moment peut faire du bien aussi. D'accord. C'est ça, il faut vraiment s'écouter et il y, y a des choses à faire, c'est clair, mais juste se dire ok, ben je fais cette chose-là, après je m'arrête et un, un, un point, c'est tout. Et dès que les choses sont faites, elles seront faites. Et, euh, et quand il faut prendre du temps pour soi ou du temps juste pour souffler, euh, il faut le faire. Et quand tu sens que ça devient trop, par exemple, au niveau business, ne pas avoir peur de euh, relâcher un peu la pression. Euh, bien sûr, faire toutes les choses que tu dois faire en amont, mais, euh, mais à un moment, il, faut, il faut, faut prendre du temps pour soi et euh, être tout le temps la tête, la tête dans le business, ce n'est pas viable sur le long terme. et euh, Il faut vraiment, vraiment s'écouter. Ouais, bah, moi, en fait, je t'avoue que c'est assez bizarre, mais je ne me fixe pas de limite en mode, ah ben bah, tiens, c'est le week-end, je, je dois être off en fait. Parce que à chaque fois que je le faisais, ça me frustrait à fond de me dire... Euh, Putain, en fait, avant, genre, quand le week-end commençait, je me souviens, mais ça me frustrait de me dire, c'est le week-end, je vais devoir couper. Euh, et aujourd'hui, ça, je ne le fais plus. Euh, et en fait, simplement, moi, je ne vois pas mon travail comme un travail. Je vois juste mon travail comme un truc qui fait partie de ma vie à part entière. Et en fait, donc, il y a vraiment un mélange entre les deux. Alors, peut-être que ce n'est pas bon de penser comme ça. Et peut-être qu'à terme, ça peut poser des problèmes. C'est peut-être un défaut. Mais en tout cas, moi, ça me convient bien comme ça. Et donc, euh, il ouais, n'y a pas de limite. Et en fait, dans mon agenda, j'ai vraiment euh, vie privée et professionnelle qui sont mélangés, mais pour moi, les deux font partie d'une seule vie. Je ne fais pas la distinction entre les deux, parce que je mélange vraiment les deux au quotidien. Je veux dire, parfois, je peux travailler euh, sur la table de ma cuisine, parfois, j'ai travaillé dans mon lit, parfois, j'ai travaillé sur mon bureau. Donc, je travaille de partout, tout est mélangé. Donc, euh, donc ouais, moi pour moi, il n'y a, a pas de limite. C'est juste qu'il y a des fois, je sens que je travaille trop. Bah simplement, le lendemain, je travaille un petit peu moins, et j'équilibre comme ça au fur et à mesure. Il euh, y a vraiment parfois où je sens que j'ai besoin de, de vraiment relâcher à fond, par exemple, pendant 3-4 jours, donc je le fais. Et donc, c'est vraiment un que c'est au feeling et comment, comment je le sens, quoi, en gros. Ouais, ben, pour l'anecdote, enfin comme je le disais au début, je suis quelqu'un, dès que j'ai un truc en tête, une tâche, un truc à faire, je peux rapidement devenir obsédé et faire que ça, que ça, tous les jours, enchaîner. Et euh, d'ailleurs, c'est grâce à l'équipe, justement, qui prend aussi soin de moi et me conseille, enfin, essaye de faire en sorte que euh, le week-end soit peut-être un peu plus... Euh, un peu plus cool parce que bon, si je suis dedans, je m'arrête pas et je continue, je continue. Mais euh, mais ça m'a permis d'apprendre et surtout Yannick l'a mis en avant. Bah c'est le, le Pareto quoi. Je veux dire, si tu paréto et que tu priorises et que tu commences ta journée et que tu fais les choses les plus importantes, logiquement à la fin de ta journée, si tu as la force pour faire plus, fais plus. Mais c'est pas les tâches les plus importantes. Tu peux peut-être les repousser un petit peu. Donc je pense que c'est ça et, et l'équipe m'a beaucoup aidé sur sur ce point-là. Alors de mon côté. Je garde le dimanche, c'est off, c'est aucun mail, etc. J'essaie vraiment de me laisser cette journée où il n'y a pas de, de business. Quand je vais à la salle de sport aussi, là par contre ça va être une heure, mais c'est une heure où je suis concentré sur, sur le sport. Quand je prends mon repas aussi, je ne veux pas que ça parle de business, j'ai le téléphone à côté, j'essaie vraiment de, de couper. Comme disait Lucas, j'ai l'impression... On va mieux comme ça ah, Ok. Comme, je disais, comme disait Lucas... Je n'ai pas vraiment l'impression de travailler, j'aime vraiment ce que, ce que je fais. Donc c'est vrai que c'est euh, cool parce que tu peux encaisser des grosses charges de travail et avoir des grosses charges de travail, ça te permet aussi, quand tu as envie bah, de dire, aujourd'hui je profite de ma famille, de ma fille, etc., j'ai bien bûché avant, j'ai pris de l'avance, je peux me permettre. C'est ça aussi le luxe de l'entrepreneuriat c'est euh, cette liberté. Okay, on travaille beaucoup, mais on a le luxe de se dire voilà, si je veux être plusieurs jours tranquille, profiter de ma fille, de ma famille, etc. Je ne vis pas avec ma fille, donc quand je suis avec elle, j'essaie vraiment de lui offrir des moments de qualité où je suis totalement disponible. Ça peut être une semaine, quinze jours où le business. Là, par contre, je vais avoir des plages, mais je fais passer ma fille avant avant le business. Quoi. Donc voilà, on essaye d'équilibrer. Il n'y a pas vraiment de recette magique. On fait ce qu'on aime. On essaie d'équilibrer ça, quoi. Ouais, bah, moi, j'en parlais justement hier euh, avec Fabio. Euh, C'était euh, par rapport à la discipline. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup de toi, en fait. tu vois. Je pense que tu dois faire ce que tu sens qui est le mieux. Euh, bah, évidemment, des fois, tu as des grosses sessions de travail, des fois, tu as des grosses sessions où tu es en privé euh, et tu dois vraiment le, le ressentir, je pense. Et tu vas aussi le, le voir au fur et à mesure. Euh, c'est vrai que c'est dur de trouver un équilibre entre le business et la vie privée, euh, mais je pense que tu vas, tu vas le trouver vraiment au fur et à mesure que, au fur et à mesure des années. Euh, moi, ça fait pas non plus beaucoup de temps que je fais ça. Je suis encore en train d'essayer de le trouver, euh, mais c'est ça améliorer au fur et à mesure des années. Mais euh, je pense que c'est en fonction de toi et aussi ce que, ce que tu aimes faire. Euh, par exemple, Fabien, lui, il aime bien prendre le dimanche off. Euh, donc vraiment, je pense que ça dépend juste de toi, en fait. Ouais, je termine juste là-dessus. Moi, c'est marrant que tu dises que le dimanche, c'est off pour toi. Moi, souvent, au matin aussi, je veux faire du sport et tout. Par exemple, moi, j'adore travailler le dimanche. Et C'est un truc de fou parce que quand même quand j'étais à l'école, je kiffais trop, euh, genre, euh, faire mes leçons ou mettre devoir, mais genre tard au soir ou bien le dimanche souvent quand les gens ne euh, travaillaient pas en fait, je ne sais pas comment ça se fait, donc moi j'adore le dimanche soir en fait, souvent à partir de 18h ou, 18 ou 19 heures, je vais bosser généralement jusqu'à minuit, et c'est vraiment pour préparer toute la semaine qui arrive en fait, et au moins je commence mon lundi vraiment hyper relax, parce que le lundi c'est un truc de fou, mais sur WhatsApp, quand tu te réveilles, il y a tout le monde qui t'envoie des messages, enfin en tout cas pour moi c'est, il y a toutes les équipes, voilà c'est des messages dans tous les sens etc, et au moins quand je prends l'avance, ben, je sais que je ne dois pas directement répondre sur WhatsApp, être là, être présent etc, euh, je Peut, euh, commencer ma journée normalement sans avoir ce stress-là de haut wow, putain il ya tout le monde qui commence sa semaine en même temps c'est parti le, le rush commence quoi et euh, et ouais donc moi j'adore justement travailler le dimanche soir pour être pour être plus chill pendant pendant la semaine mais encore une fois je crois que c'est vraiment propre à chacun au niveau de l'organisation de, de son de son type de business euh, etc quoi top merci les gars Alors, j'ai une question pour vous tous. Euh, face à moi, j'ai des millionnaires, on va dire ça. Euh, ma question se pose, est-ce que ça vous est déjà allé à l'esprit de, de penser à une ASBL et aider les pauvres Et euh, on parle souvent, oui, j'ai perdu 10 000, 20 000, 50 000. C'est décembre, bien sûr, il y a des échecs, il y a des fois, on descend, des fois, on monte. Mais euh, par exemple, si chacun d'entre vous mettait, par exemple, 1000 euros hein, pour vous, peut-être, hein, je ne juge pas, hein, mais peut-être c'est rien, mais est-ce que ça vous est déjà allé à l'esprit de, de faire une ASBL et de, de penser un peu... Euh, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, on vient de... On a commencé au sol et euh, tout doucement, il y a les fondations et ça monte et ça monte et ça monte. Donc, euh, merci. Ouais. Euh, par, par rapport à cette question là moi c'est vrai qu'on ben, en avait parlé justement hier euh, dehors et euh, la citation qui dit euh, en gros euh, donne moi un poisson je le mangerai euh, une fois mais après moi pêcher je mangerai toute ma vie donc pour moi euh, donner de l'argent aux pauvres c'est une très bonne chose c'est une très bonne action mais si tu peux aussi ben, donner justement la connaissance c'est comme euh, pour ceux qui ont des enfants au lieu de donner juste tout l'argent et ne rien donner d'autre il n'y a rien de pire que de donner plein d'argent justement à à un enfant qui ne sait pas comment, comment gérer cet argent-là, c'est mieux de lui expliquer comment, euh, comment en faire. Euh, donc pour moi, le savoir, c'est important. Et quand tu parles des pauvres, j'imagine que, que tu parles aussi de certaines personnes qui sont dans des pays qui sont défavorisés, euh, qui n'ont pas, spécial, qui qui pas spécialement, justement, même s'ils ont le savoir, ils ne peuvent même pas le, le mettre en pratique. Euh, donc moi, c'est vrai que moi, j'ai déjà pensé, euh, honnêtement, ça m'a traversé l'esprit. J'ai vu des entrepreneurs qui le faisaient, notamment, je pense que la plupart des gens le connaissent ici, Mangadi, qui, qui euh, construit des écoles au Népal. Et je trouve ça, euh, je trouve ça pas mal. J'imagine que ça doit... Pas mal remplir en termes de satisfaction personnelle, de bonheur aussi. Mais c'est vrai que moi j'y pense, mais j'ai jamais franchi le pas. Je suis honnête. Je suis tellement focus en fait sur mes business, etc., que que je pense pas spécialement à me dire ok. Je dois, en plus de ça, je dois encore aider les autres, tu vois. Mais c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans le futur. Je sais pas pour le moment, mais j'ai déjà pensé. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas prévu du tout. On verra par par la suite, mais ça peut être ça peut être intéressant. Merci. Ouais, moi je vais, je vais te répondre directement. Ben justement, moi, c'est un de mes objectifs cette année sur ma bucket list. Euh, c'est justement de ne pas ouvrir une ASBL, mais, euh, mais faire des dons à des charités ou des trucs comme ça, ou des, des trucs qui me tiennent à cœur, des causes qui me tiennent à cœur. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que personnellement, ça me, ça me comble beaucoup. Euh, notamment quand j'étais plus jeune, mon papa, ce qu'il faisait, c'est qu'en gros, tu vois, mon papa est marocain. Et bah, le Maroc, il y a quand même y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Et si tu veux, mes parents, ils ont, nous, on avait toujours des, des beaux vêtements, tu vois. Et donc, en grandissant, bah, les vêtements, ça n'avait plus rentrer dedans. Et ils envoyaient tous les vêtements tout le temps à des jeunes au Maroc. Euh, il, avait, il avait fait un club d'athlétisme pour des gens défavorisés. D'ailleurs, il y a un athlète qui est sorti de là, qui a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Euh, et ils l'ont aidé gratuitement. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me compte beaucoup. Euh, alors, je ne dirais pas donner à un pauvre que tu vois dans la rue, parce que bon, eux, euh, voilà... Mais, euh, mais je dirais plus aider les gens qui sont dans le besoin, tu vois, que ce soit des gens qui ont un handicap ou bien euh, bah, les gens, par exemple en Afrique, euh, ou bien euh, ouais voilà tous ces trucs là. Moi en tout cas c'est dans ma dans mes objectifs de cette année. Et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi notamment grâce à Iman Gadzi, euh, que c'est les trucs qui me plaisent au final et, euh, et que ça va plus loin que de gagner de l'argent et des fois aider les autres et donner un peu. C'est vrai que c'est satisfaisant de voir. Euh, dans les yeux des gens le, le bonheur que ça fait quoi donc après voilà. des fois si on donne pas on reçoit pas donc ouais. comme on dit des fois c'est <laughs> ouais après ça dépend de chacun tu vois il y en a qui sont plus comme Lucas a dit focus sur d'autres choses maintenant et peut-être dans dix ans ben il va tout, donner toute sa fortune à une association même non, sur... bien sûr hein, je dis pas de donner tout mais voilà est-ce que une petite somme quoi est-ce est que ça est-ce que ça vous empêcherait de vivre comme vous vivez aujourd'hui, par exemple Non, pas du tout. C'était plus le... dans ce... Je ne dis pas de donner le million, hein, bien sûr. Hein. Tu as, as million, besoin de tu... combien, là <laughs> C'est ce Moi... Moi, je parle pas pour moi. Donc, Moi, j'ai face en moi des millionnaires. Donc. Bah, moi, je pense que c'est propre à chacun, honnêtement. C'est vraiment en fonction de toi, ce que tu aimes bien. Enfin, pas ce que tu aimes bien, mais ce qui, ce qui te fait du bien. Après, au final, encore une fois, c'est un peu de l'égoïsme. Hein. C'est l'humain, on est tout le temps égoïste. Et au final, tu fais ça parce que toi, tu te sens bien. Donc, euh, donc je pense vraiment que ça dépend de toi. Quoi. Merci. Alors, de mon côté, j'ai donné dès le début. Je fais beaucoup pour le milieu associatif, beaucoup les clubs de sport, etc., ça m'a toujours fait plaisir et dans ma famille, c'est un peu une tradition. Il y a beaucoup d'associations sportives, donc on est, on est présent. Euh, je fais des dons également sur euh, certaines associations. Bien que je ne sois pas fan, c'est plus pour me donner bonne conscience parce que ce qui ne me plaît pas dans les associations, c'est quand tu vois les chiffres à la fin de l'année où il y a encore énormément d'argent, par exemple, Action contre la faim, etc., où c'est fait pour la famine. Il y a encore des gens qui meurent de faim et les comptes bancaires sont blindés. Donc ça, tu vois, c'est un truc qui me dérange. Et il y a deux manières de donner quand même. Il y a la manière de donner ton temps et la manière de donner ton argent. Il y a donner l'argent, ok, mais tu vois, des bénévoles qui, eux, donnent leur temps à la Croix-Rouge, etc., ça l'emporte encore plus sur un don financier, à mes yeux. Mais après, au niveau du karma, ça, j'y crois. Il faut savoir donner pour recevoir, mais donner aux bonnes causes. Moi, si quelqu'un vient me de demander de l'argent... Pour faire quelque chose, ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, on n'a pas donné quand j'ai démarré. Tu vois. par contre, des gens dans la difficulté, et ça peut être au quotidien. Tu vois, quelqu'un au supermarché, etc. J'aime bien être généreux. Tu vois, surtout en République dominicaine, il y a des besoins, les Haïtiens, etc. Il y a énormément de, de, de choses à faire. Il y, y a de la difficulté dans le monde, Il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, ce n'est pas non plus donner à tout et n'importe quoi. L'argent ne tombe pas du ciel. Nous, on transpire pour faire du business. Donc, je ne vais pas donner non plus facilement, mais j'estime que voilà, pour les bonnes causes, il faut parfois fermer les yeux, même si ça te dérange, la gestion d'action contre la faim, etc. Bon, voilà, il y a des choses où on se fait plaisir aussi en, en donnant. Quoi. Ouais, bah, encore une fois, je vais encore une fois parler de, de ma mère, je l'aime beaucoup. Euh, elle m'a éduqué, et même si je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent, etc régulièrement et tous les mois on envoie de l'argent justement en Afrique pour aider, des, enfin aider des, des enfants à apprendre à lire, etc. Des choses hyper importantes et euh, moi ça j'ai toujours grandi dans ça. Donc il euh, y a une petite application qui s'appelle euh, sur l'app store Share the Meal je crois et tous les mois je suis dans ce concept de donner le plus possible et même quand j'avais rien du tout et, et que j'étais justement universitaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et euh, je pense que l'objectif, ce n'est pas de donner pour donner. Euh, je pense que juste donner comme ça, c'est pédaler dans le vide. Dans le sens où, il faut le savoir en, en économie, ce qui fait qu'un pays est riche, c'est l'éducation. Ce n'est pas juste l'argent. C'est l'éducation qui fait qu'un pays devient riche. Donc l'objectif, si tu veux aider, c'est peut-être développer des structures, aider les gens. Moi, c'est ce que je veux faire en, en, en Guadeloupe et dans plein de pays de, des Caraïbes. C'est par exemple, et je l'ai déjà fait, lancer un business d'anglais pour apprendre aux jeunes à parler anglais. Même en France, et je vous dis pas en Guadeloupe, personne ne parle anglais. Ça, c'est un gros point faible. Donc, déjà, je pense qu'en éduquant, ça fera toute la différence et l'argent viendra. Donc, pour moi, donner pour donner, faut le faire, c'est bien. Ce n'est pas la chose la plus utile et la plus efficace. faut apprendre et, et éduquer, je pense. Une petite phrase. Dans le terme de donner, par exemple, chacun, certains d'entre nous ont des chaînes YouTube. Où on fait des vidéos et ces vidéos peuvent avoir aussi un gros impact hein, sur la motivation, sur l'aide, des personnes qui traversent des difficultés. Ça aussi, c'est un don. On ne le quantifie pas en, en monnaie, mais ça a des gros impacts. Ce que tu transmets aussi lorsque tu as fait ta conférence, etc. C'est aussi un don. Hein, faut le voir comme ça. Je suis d'accord. Prochaine question. Bah, du coup, euh, moi je vais vous poser une question par rapport euh, aux associations. J'aimerais bien savoir un petit peu euh, les différents types d'expériences que vous, vous avez pu avoir avec euh, bah, les associés euh, dans votre parcours entrepreneurial et éventuellement euh, dans quelles circonstances vous le conseilleriez et euh, les pièges à éviter. Ouais, bah, euh, hier on en avait parlé au. Pardon, allez, tu peux répéter la fin s'il te plaît et des pièges à éviter. Ah, des pièges à éviter, OK. Euh, justement, hier, on en parlait euh, quand on avait fait le hot-site. Euh, en fait, il faut savoir que moi, euh, par exemple, avec euh, mon équipe, euh, on, on va travailler euh, la plupart du temps euh, au pourcentage. Mais on est... En fait, on a chacun notre structure. En fait, on n'est pas tous dans la même société, et ça, pour moi, c'est un point hyper important, c'est de ne pas se retrouver dans la même société parce que c'est là où il y en a de nouveau, comme j'expliquais tout à l'heure, qui peut faire le chien et qui peut genre limite bloquer ses parts, etc. Et te demander une rançon en contrepartie pour qu'il puisse se barrer. Enfin, une rançon, quand je parle de rançon, c'est pour payer ses parts, quoi. Euh, Donc du coup, pour moi, règle numéro une, c'est d'avoir chacun sa structure. Pour moi, je parle pour moi, bien évidemment. D'autres n'auront pas la même vision. Euh... Et à partir de ce moment-là, qu'il y a un pourcentage qui est établi sur le chiffre d'affaires, ben, tout est carré. Et, euh, et c'est simple, au moins chacun fait ses propres dépenses. Les dépenses ne se mélangent pas. Euh, chacun gagne son propre argent qui est à lui, qui n'est pas dans une caisse commune. Euh, et ça évite déjà pas mal de problèmes. Quoi. Euh, et sinon, l'association dans la même boîte, franchement, c'est assez compliqué pour moi parce que tu peux même tout prévoir de base, faire le contrat le plus béton possible. Il y aura toujours que S'il arrive une couille, il y aura toujours une pro un problème qui aura pas eu dans le contrat de base, et, euh, et ça c'est chiant. Et pour moi, l'association, quand on s'associe, il faut déjà que ce soit très complémentaire. Tu m'avais parlé de toi, enfin, c'était pas vraiment complémentaire avec tes associés, mais bon, quand tu es dans le feu de l'action, tu t'en rends pas compte. Et moi, c'était idem en fait. Quand je me suis associé avec, euh, avec mes deux ex-associés, bah, en fait, quand je, quand je prends du coup aujourd'hui, il y avait rien de complémentaire Je Mais vraiment, euh, enfin, je vois pas grand-chose de complémentaire. Et euh, donc c'est vraiment encore une fois pouvoir prendre de la distance et de se poser, de se dire ok avant d'avancer, est-ce que déjà j'ai le feeling Est-ce que euh, feeling pour moi c'est super important les énergies euh, Est-ce que euh, on est complémentaire ou pas euh, Est-ce qu'on le fait dans la même structure ou avec des structures séparées moi, je dirais que c'est surtout ça que je regarderai. En tout cas, moi, je l'ai dit, moi, je ne m'associerai plus jamais dans la même structure avec quelqu'un. Encore une fois, ne jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais éviter au maximum à cause justement de la mauvaise expérience que, que j'avais pu avoir. Quoi. Et il y a une phrase que j'avais retenue justement de mon, de mon ex-associé. Il m'avait dit, il vaut mieux avoir un mauvais commandant que deux bons commandants à bord. Il a tout à fait raison. Je préfère être un peu plus mauvais tout seul, mais de diriger tout seul et de faire vraiment ce que j'ai envie d'être un peu le seul décisionnaire. Que d'être à deux ou trois, on va avoir des points de vue différents et où ça va être plus difficile d'avancer quoi. Ouais, pour ma part, je trouve que c'est vraiment compliqué de trouver l'associé idéal entre guillemets, mais il faut, dans tous les cas, avoir la même vision, euh, la même façon de, de voir les choses, et ça c'est vraiment pas évident et, et pas juste la même vision, euh, la vision. Euh, je veux faire de l'argent. Ah, bah, lui aussi veut faire de l'argent. Ok, on s'associe. Non, il faut vraiment creuser plus loin et réfléchir à est-ce que ça va être bénéfique, pourquoi et, euh, et et oui euh, que, ça soit, euh, que, que ça soit bénéfique pour toi euh, avant tout quoi. Ouais, bah tout, pas mal de bonnes choses ont, ont été dites. Euh, moi, je dirais le l'erreur que j'ai faite et je vois beaucoup de personnes qui euh, qui lancent des business en couple etc franchement vous êtes forts, parce que euh, j'avais essayé de lancer un business avec euh, mon ex et euh, c'était euh... non mais à l'époque c'était pas mon ex donc vous, vous avez compris que du coup ben depuis ça c'est mon ex donc euh, tout ça pour dire que c'est pour moi c'est très compliqué et maintenant je mélange plus du tout même si en face elle fait du business c'est son business c'est mon business on peut discuter etc mais moi, je ne mélange pas parce qu'après, euh, suffit qu'il y ait un problème, après, ça dépend qui est a en face. Hein. Euh, ce n'était pas la, la, la meilleure businessman qui existe, mais euh, ça a été assez... Euh, tous les problèmes qui arrivaient dans le perso arrivaient aussi dans le business, et là, bon, bah, ça avance plus, et tu n'as plus envie d'aller bosser ou faire quoi que ce soit avec. Tu n'as plus envie de bosser dans ton business, en fait. Alors, pour ma part, l'association dans le business, c'est comme un mariage. C'est délicat. Euh, parfois, on découvre euh, la personne que l'on a avec soi. Euh, C'est hier, je crois, qu'on parlait de... Je ne sais plus avec qui on parlait de ça, justement. C'est parfois quand il y a une rupture qu'on découvre le, le vrai visage de la personne. On peut être 10-15 ans avec sa compagne et se dire, putain, je n'imaginais pas qu'il y avait ce masque derrière, derrière ça, derrière le masque. Donc, il euh, y, y, y a des alliances, des associations qui se passent très bien. Moi, pour ma part... C'est des choses, voilà. J'ai des craintes. Euh, les associations, c'est extrêmement délicat. Je n'ai pas encore fait. Je pense que si je fais une vraie association dans le business, voilà, ce sera bien, bien carré, bien cannassé. Euh, enfin, je pense qu'il faut se préparer. Euh, je pense que même si un mariage, d'ailleurs, je partirai moi dans. ça de vous choquer, mais je partirai dans. Voilà, il y aura un contrat, etc. Parce qu'on ne sait jamais. Euh, on peut s'aimer ça peut être. Vous savez, les relations, c'est ça, hein, entre une super relation qui se passe très bien et le contraire. Parfois, ça peut être un SMS, hein, ça, peut être... ça peut être, ça peut vraiment basculer. Donc, le business, ça se protège. Donc, voilà, il faut bien réfléchir, bien se canasser, bien se protéger. Il y a les avocats pour ça. Et puis après, voilà, je le répète, il y a des associations qui se passent super bien, mais aussi il y a des associations. Qui peuvent se faire sans être vraiment associés, quoi. Tu vois, en gardant chacun sa, sa liberté, et, et ça nous laisse aussi un, un champ d'action. Si on décide de partir, c'est plus facile, parce que tu, as, tu en as parlé, Lucas. Parfois, quand tu as un associé qui casse la tête, ben ça casse ça casse la tête, quoi. Donc moi, j'ai eu plusieurs associés et différentes associations. Au début, on avait aussi chacun dans une société nos parts. Donc quand Lucas a dit là tout à l'heure, euh, j'ai eu la même chose. 2011, on était trois, on avait chacun 33, 33, 33. Et un des associés nous a aussi mis pied du mur. On, il ne nous a même pas dit. Nous, il nous a envoyé un recommandé en disant, voilà, vous avez 15 jours pour acheter mes parts pour 200 000 euros aussi. Donc, à un moment, je me dis, mais on a la même histoire. Et, euh, et c'était ouais. <laughs> 15 jours. Et là, c'était, si ce n'est pas vous, je peux les vendre à n'importe qui. Déjà, nous, on voulait éviter d'avoir un étranger dans notre structure. Donc nous, on avait en plus, vous avez qu'un jour, sinon je le vends à quelqu'un d'autre. Euh, J'ai souvent vu aussi que les associations commencent à être très difficiles, pas au moment où on lance un projet, où on est à fond dans le projet, on y va, c'est au moment où l'argent va rentrer ou arrive dans la société. On a tous envie de faire quelque chose de différent avec l'argent qui va arriver. Et c'est pour ça que maintenant quand je fais mes associations et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'en ai énormément, on a chacun notre structure et on rentre dedans par exemple pour 50-50. Et ça fonctionne super bien parce que quand l'argent arrive, on le coupe en deux, chacun prend sa part et je m'en fous s'il veut flamber son argent ou pas, mais il y a pas il y a plus cette discussion. Donc ça c'est bien et alors aussi euh, si tu rentres dans une association, mets tout de suite les portes de sortie déjà de savoir, voilà. S'il se passerait quelque chose, on a scénario 1, 2, 3. Est-ce que je peux t'acheter tes parts à quel prix Toi, tu peux m'acheter les parts à tel prix. Ou on trouve ensemble quelqu'un qui reprend les parts. Donc, par exemple, dans ma dernière association, on a mis ça en place via un avocat A, B, C. Et on se revoit dans X temps pour voir laquelle on fait ou on continue ensemble. Mais au moins, c'est sur papier déjà et il n'y a pas de discussion. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça J'avais encore un truc, c'était euh, qu'il y a une étude qui a été faite, que souvent, les associations, ça tient bien 5 ans. Il y a une étude en Amérique, ils ont fait une étude par rapport à toutes les associations, où énormément. Ils ont dit, en moyenne, ça dure 5 ans. Et à partir de 5 ans, c'est là où ça commence à, à partir dans tous les sens. Donc voilà. Mais si tu le sais déjà, tu peux te dire, OK, pendant 5 ans, je dois faire attention à ça ou ça. Mais à partir de la cinquième année, que ce soit avec un associé, ami ou famille ou n'importe qui, souvent, c'est à 5 ans que là, il y a quelque chose qui se passe. C'est une étude. Tu peux peut-être taper sur Google et tu tomberas dessus. Mais c'est 5 ans. OK, non, je pense que c'est voilà. clairement possible. Euh, il y a des études aussi pour les mariages. Hein. Donc, quoi, justement Comment de réussite et de divorce De mariage, je ne sais pas exactement, mais il me semble qu'il y, y, y a une étude qui dit qu'au-delà d'un certain nombre d'années, ça commence à être compliqué. Et euh, que le pourcentage que je connais, c'est que soit 70% ou 80% des divorces sont faits par les femmes, sont provoqués par les femmes. Celles qui... Attention aux associations femmes. Non, 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 mais je veux dire, c'est... Non, 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 mais... <laughs> C'était anecdotique. C'est anecdotique. quoi les 3D, ah, dit, les 3D. Ah, okay. En fait, les 3D, c'est euh, bah, en fait, quand tu as une liquidation, ce qui arrive généralement, bah, ce sont des dettes, la déprime et le divorce. C'est des choses qui arrivent. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. On pourrait dire dette, divorce, déprime. Je pense que c'est dans. <laughs> voilà les 3D. Quoi. Les statistiques qui ont démontré que quelqu'un qui plante sa boîte, ça influe sur son couple parce qu'il y a des dettes, etc. Et c'est là, si tu vois, si l'amour est assez fort. Quoi. Moi, j'avais du coup une dernière question. Je trouve que c'est le problème un peu de notre génération. C'est comment vous faites, vous, pour éviter de vous comparer aux autres Moi, c'est un gros problème que j'ai c'est que je me compare constamment. Sur, euh, voilà d'autres entrepreneurs, etc. Et ça me bouffe de l'intérieur, parce que je me dis que je ne suis pas assez bon, parce que je ne suis pas assez productif, euh, etc., etc. Et du coup, ça peut me monter à la tête au bout d'un moment, à force de voir aussi le lifestyle des autres, etc. Pas mal de choses. Donc vous, comment vous faites au jour le jour pour éviter, ou en tout cas, euh, brider ça un maximum Je peux répondre, Luda C'est une très bonne question parce que c'est... Présent chez beaucoup de jeunes entrepreneurs, surtout avec ce que vous pouvez voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'exagérations, etc. Il faut savoir que chacun a son horloge. Quand c'est ton heure, voilà, tu auras ton succès, etc. Il faut éviter de se comparer. Parfois, ça peut être quand même positif. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est devant toi, ça peut te, te booster, te dire j'ai envie euh, d'arriver là. Mais... Il ne faut pas te comparer. On est tous différents, on a tous une horloge différente. Tu sais, euh, on peut mettre tout le monde le même business, la même somme d'argent, etc. Il y en a qui vont avoir une rencontre différente, euh, un obstacle différent. Chacun a sa propre horloge. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Hein. On peut faire tout ce que l'on veut, etc. Il y a, je pense qu'il y, y a quelque chose de plus fort que nous là-dessus. Donc, ne euh, te compare pas. Si ça te ronge surtout. Ça, il faut vraiment que tu écartes, quoi, parce que ce n'est pas bon pour toi, pour ton business. Concentre-toi sur ce que tu sais faire, ce qui te fait kiffer, etc. Fais le bien. Si tu dois avoir du résultat, tu vas avoir du résultat. On, on a la vie que l'on mérite d'avoir et restez positif dans tout ça. Quoi. Surtout les réseaux sociaux, on en a parlé. On va, sur Instagram, tu, tu te prends en photo, tu vas mettre ton meilleur visage, tu vas mettre quand tu te réveilles, etc. Ta bouffe, tu vas mettre aussi, lorsque ton assiette elle arrive, elle est toute belle, pas quand tu l'as défoncée. On met tout ce qui est le plus beau. Et voilà, c'est du marketing. L'exemple de la pizza butoni, c'est du pur marketing. Je pense que les réseaux aussi, c'est comme ça. Tu vois l'emballage, la pizza butoni, elle est délicieuse. Tu ouvres l'emballage, c'est comme McDo, le Big Mac. L'emballage à l'intérieur, c'est moins beau que la photo. Bon, voilà, il faut partir de ce principe-là. C'est du marketing. Les choses sont arrondies, c'est enjolivé. Reste sur... Fais ce que tu sais faire, fais le bien. Voilà, ça va bien se passer, quoi. Yes, ben moi, j'avais déjà répondu un petit peu à la question hier, hein, euh, par rapport à la comparaison. Euh, comparaison pardon. Euh, mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est vraiment sur les réseaux. Tu vas voir, par exemple, un TikTok d'un gars ou bien un Reels sur Insta. Euh, ben... Le gars, il a l'air en pleine forme, il a l'air heureux, il a l'air que tout va bien dans sa vie, mais ce, le reel si il ne dure qu'une minute. Donc, ça veut dire qu'il a fait l'effort pendant une minute de paraître bien devant la caméra, etc. Ça veut dire qu'à côté de ça, tout le reste de la journée, le mec, il est normal, il est comme toi, il est comme moi, il est comme nous tous. Il y a des coups de mouille, parfois il a envie de faire une sieste. Parfois, sa sieste, il met le timer sur 30 minutes, mais elle dure deux heures parce qu'il n'arrive pas à se réveiller. Et en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, il ne faut pas croire euh, que voilà, tout ce qu'on voit sur les, sur les réseaux, c'est comme ça et qu'il faut faire comme ça. Moi au début, j'avais vraiment tendance à me dire, euh, genre, moi je suivais beaucoup Anthony Nevo, et lui, il était dans un délire où il prenait, il avait fait un truc avec des douches froides, etc. Et moi j'avais essayé de le faire, mais euh, moi ça ne me convenait pas du tout. Et c'est là où je me suis dit, en fait, chaque personne est différente et fais juste qui, toi te rend heureux. Si tu essayes de faire quelque chose comme quelqu'un pour que ça te rende heureux, ça ne te rendra pas heureux toi parce que ça veut dire que si lui il le fait, c'est que c'est adapté à lui. Et encore une fois, vu qu'on est tous différents, bah, il faut juste faire des trucs. Euh, qui, qui nous remplissent nous-mêmes et qui ne va pas spécialement rendre une autre personne heureuse. heureuse quoi. Oui, ce que je souhaiterais rajouter, ou c'est une question, c'est qui est la personne la plus importante dans ta vie En premier, c'est moi-même. Voilà, tu as ta réponse. Fais-le pour toi et toi d'abord. Et aussi, tout ce qui est réseau, c'est on te montre où tu devrais être, ce que tu devrais manger. donc ne rentre pas non plus à 100% dans le jeu. Parce que les réseaux, c'est ça. Hein. C'est te montrer où tu devrais être mais où tu n'es pas. Manger ce que tu devrais manger mais que tu ne manges pas ou que tu voudrais ou que tu souhaiterais. Donc, euh, c'est un système qui a été mis en place. Hein. Donc, il euh, faut aussi à un moment se dire, ce n'est pas la réalité à 100%. Oui, parce qu'il y a un effet pervers en plus à ça, c'est que tu te compares et il peut y avoir en conséquence le syndrome de l'objet brillant, etc. etc. Enfin, y a... Du coup, c'est tout... Ah, ben, euh, ce... t'avais montré là tout à l'heure le slide, là où tu as Steve Jobs et, euh, ouais, ça, et aussi. Escobar. Escobar. Et ils ont compris, hein, ça fonctionne, hein, c'est l'humain. Seule chose, c'est qu'il faut être plus fort que ça. Ou de se dire, je, je l'ai identifié, j'accepte et je m'en fous. Tu vois. Mais dès que c'est vraiment ben déjà, là, déjà en posant la question... Tu le sais déjà ou tu comprends déjà à l'étape de « je l'ai identifié tu vois ». Donc tu le sais, après tu l'acceptes et tu t'en tu fous. Ouais, D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, avec Martin, on a un pote euh, qui est exactement comme toi et il se compare tout le temps à tout le monde. Euh, alors qu'il fait du business, il fait comme nous et il gagne bien sa vie, mais euh, il en veut toujours plus, tu vois. Et euh, ça le ronge... Genre, à chaque fois qu'il nous parle, il nous dit Oh, regarde ce mec, trop stylé, nanani, nanana. Et on lui dit Mec, arrête de te comparer, c'est pas la vraie vie. Et, euh, et donc, vraiment, je te conseille de juste te comparer à toi-même. Et euh, évidemment, les autres peuvent te, te servir d'inspiration. Mais, euh, mais au final, t'es ton, ton seul ennemi. Et euh, si tu commences à te comparer aux autres, vraiment, euh, je te promets que ça va te ronger. Et surtout que sur les réseaux de 1, c'est pas la vraie vie. Mais en plus de ça, si tu te compares, il bah, y a toujours des gars plus riches que toi, il y a toujours des gars qui réussissent mieux que toi. Et du coup, si tu pars dans cette course effrénée à, à toujours te comparer, bah, même si tu arrives, tu gagnes 100 000, 200 000, 300 000, il bah, y a toujours des gens qui gagnent 1 million, 2 millions, 3 millions. Si tu gagnes 1 million, 2 millions, 3 millions, il y a des gens milliardaires. Si ça ne sert à rien de se comparer, tu n'avanceras pas et tu vas faire du surplace pour rien. Quoi. Si je peux rajouter également quelque chose. Ne vous fiez pas aux chiffres, d'accord Ça peut être frustrant quand tu démarres et que tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, des chiffres, etc. Tant que ce n'est pas vérifiable, ça reste que des chiffres, d'accord On en a vu combien des exagérations Il y a un peu l'histoire euh, sur Instagram. Comment s'appelle le compte Instagram Le mec est très connu, en américain, où il avait toujours 20, 30 nanas avec lui. Dan Bilzerian. Dan tu as découvert en fait qu'il était complètement rincé, ruiné, quoi et que le mec en fait claquait l'argent de son daron, tu vois. Donc en fait voilà, les réseaux sociaux tu as tout et n'importe quoi. Voilà, comme tu as dit, il faut se concentrer la, plus, la personne la plus importante c'est toi quoi. À mon avis, autre chose à à faire, c'est de filtrer à fond les réseaux sociaux, je pense hein. vraiment filtrer moi, c'est-à-dire que du côté, ben, j'ai arrêté Snapchat. Avant, je me disais, bon, il faut que je sois dessus, etc. Voilà, on m'envoie des messages. Au final, je me rends compte que les messages que je reçois sont pas importants. Ce pas des discussions qui m'apportent grand-chose. Et toutes les personnes qui m'apportent de la valeur et avec qui on construit, c'est sur WhatsApp. Donc, j'ai WhatsApp. Et dès que je vais sur Instagram, euh, ça va dépendre du mood, mais quand je suis plus tranquille, voilà, vacances, j'ai un compte spécial pour ça. Et ensuite, j'ai un second compte qui est plus business. Et de ce côté-là, je filtre vraiment et je choisis qui je regarde. Et tout, tout le reste, je m'en fiche, tout simplement. Yes, Victor. Et Fabio. Et Pierre. En fait, Pierre, Fabio, Victor, et on va conclure là-dessus. Ouais, moi, c'est pour rebondir un peu là-dessus. Si demain, par exemple, je lance une activité de consulting où je me remplace tout le, enfin, tout le process, j'ai déjà ma, ma formation et autres, est-ce que je dois passer par le côté personal branding Parce que justement, maintenant, pour certains, c'est devenu presque une obligation d'avoir ce, ce côté bling-bling et autres sur les réseaux, donc avoir une fausse vie. Par exemple, pour dire voilà, je suis déjà un step là pour avoir le trust, ou est-ce que je dois passer par deux, trois ans de de, de de trust organique, je vais dire vraiment prendre le temps de, parce ce que je vais accomplir, montrer un retour, mais surtout sur des chiffres, ou alors est-ce que je, je m'invente je une vie pour gagner du temps Ouais, ben, moi pour avoir fait ce, ce chemin là maintenant depuis je pense quatre ans avec ma chaîne YouTube, installer tout ça, pour moi, c'est vraiment, il euh, n'y a pas, euh, comment dire, il a pas une manière qui est mieux à faire qu'une autre. Donc, c'est-à-dire, il ne a pas, il faut pas montrer que des caisses, faut pas montrer que des résultats, faut pas parler que de ta vie privée. Il faut juste en fait être toi-même et être naturel, et tu vas attirer en fait naturellement les gens qui te ressemblent en fait. Euh, moi, je vois avec ma chaîne YouTube, j'ai jamais forcé euh, à, à faire des vidéos, euh, par exemple sur des résultats. Quand je n'ai pas de résultats, ben je ne montre pas de résultats. Quand j'en ai et que je trouve qu'il y a une étude de cas intéressante à faire, ben je le fais. Euh, parfois, je partage des, des messages qui sont assez, assez forts pour moi parce que c'est des messages qui sont liés au bonheur, au bien-être, etc. Ce ne sont pas des vidéos qui font beaucoup de vues, mais je sais que c ces vues-là, ben c'est des vues vraiment qualifiées avec des personnes qui me ressemblent vraiment. Et moi, mon but, ce n'est pas de faire genre un million de vues sur mes vidéos. Honnêtement, je m'en fous. C'est vraiment de de partager quelque chose et même si j'ai ne serait-ce que cinq personnes qui se reconnaissent vraiment dans le message que je partage ben pour moi c'est ok je préfère être entouré que de cinq personnes qui me ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que moi que d'être entouré de plein 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 de gens avec que des fausses que des fausses personnes etc donc euh, moi c'est vraiment ce que je retransmets sur les réseaux sociaux bien évidemment avoir une photo de moi à côté d'une Lamborghini c'est cool et même pour toi pour ton ego j'en parlais mais l'ego on l'a tous ben, ça fait ça fait plaisir oh putain la photo elle est belle ben, je vais la poster euh, de temps en temps même si c'est pas du tout euh, ce que poste tout le temps euh, mais voilà moi je pense qu'il faut que tu sois toi même que tu partages en fait euh, ton à l'état personnalité ta vie et euh, ça, ça se fera naturellement parce que si tu te forces à montrer une vie qui n'est pas la tienne tu tiendras pas un an quoi tu tiendras peut-être une semaine quand tu vas louer ta voiture de location mais après tu pourras plus continuer à toujours montrer du lifestyle comme ça et puis même ça va ça va te faire chier au bout d'un moment donc euh, donc voilà moi j'irai juste être toi même partager euh, partager ton expérience quoi c'est tout truc aussi que les américains font et je trouve qu'ils le font de, de plus en plus et ça je trouve ça assez intelligent c'est que plutôt que de mettre directement directement le, leur personal branding ils vont prendre une mascotte en fait ils vont le mettre sur le dos d'une mascotte et ils vont développer euh, la mascotte lui faire faire des choses etc et ça 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 peut être ça peut être plutôt cool si tu veux pas directement mettre ton image quoi je vais reprendre ce que Lucas a dit être toi-même ça c'est primordial par contre quand tu démarres ça peut être vu comme un investissement quand tu as un message intéressant à passer, si le fond est bon, d'avoir la forme à côté. Donc, la forme, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'un véhicule, ça peut aider. Euh, la location d'une villa, ça peut aider. Si tu peux avoir un très bon message, mais quand tu démarres, ça nécessite quand même d'avoir voilà, des bases, etc. Quoi. Donc, ça peut être un investissement sans tomber dans, dans le bullshit, l'exagération, etc. Quoi. Mais ça peut être un. Un facteur qui va te permettre d'asseoir ta, ta position, tout à fait. Moi, c'est c'est vraiment le parce que j'ai pas besoin de faire, enfin si j'ai pas la Lambo mais je veux dire, je peux déjà montrer un certain un certain niveau de vie, et, etc. Mais c'était plus pour montrer justement, soit montrer par où on peut passer aussi avant d'arriver à ce niveau de vie, euh, qu'on n'a pas spécialement euh, tout le. Enfin, je peux montrer mon setup par exemple de bureau. Dans un angle et de l'autre côté, il y, y, y a la table d'esthéticienne de ma femme, par exemple. Mais c'était plus soit est-ce que je monte l'envers du décor pour que les gens s'identifient à ce niveau-là, ou est-ce que je fais le, le côté où je monte la, je monte la, la BM qui charge, enfin voilà le côté plus beau de, de l'histoire. Ouais, moi je pense que le, le comment dire le plus Bon, en tout cas, moi, je le remarque avec les vidéos que moi j'ai fait et tout ça. Les gens, ils kiffent voir, ils kiffent à fond voir la progression et l'évolution, en fait. Genre, euh, je reçois parfois des messages de personnes qui me disent, ouais, je suivais tes vidéos au début quand t'étais dans, dans ta chambre chez tes parents avec les posters de basket. Et le, le fait de voir après l'évolution au niveau de la qualité des vidéos, ton élocution, euh, le message que tu véhicules, l'expérience que, que tu as acquis, les gens adorent ça. Que si tu arrives comme un cheveu dans la soupe avec une lambeau, une Rolex, et que tu te dis, voilà, moi je suis riche, je vais t'apprendre à comment gagner de l'argent, il ben, n'y a personne, y a, tu, vas, tu vas te faire allumer. Quoi. Donc il vaut, mieux, euh, il vaut mieux, moi je pense, être, euh, être naturel et, euh, et montrer et faire des vidéos régulièrement pour, pouvoir que, pour que les gens puissent s'identifier à toi, voir la progression, etc. Quoi. Ok, merci. Une Lamborghini, une villa de luxe, euh, ça plaît sur, euh, sur les réseaux quand tu as quelque chose à, à transmettre. Mais je suis totalement d'accord avec toi. La... Quel terme on pourrait donner L'authenticité L'authenticité, ça fonctionne aussi. Quoi. Exact, exact. Par contre, c'est vrai que tu vas mettre de temps en temps un petit peu de bling-bling. Ça, ça, ça amène du jus, c'est clair. Exact. OK, merci. Yes, Fabio, du coup. Alors, avant de poser ma question, je vais juste faire une brèche sur euh, la comparaison. Moi, je dis souvent que les réponses se trouvent dans la question, et quand on entend comparaison, moi, j'entends un con qui n'a pas raison. Donc, pour moi, il faut juste pas se comparer aux autres parce que c'est vraiment une erreur fatale. Je le dis parce que je suis passé par là aussi, et quand on voit euh, bah, tout ce qu'il y a, comme il vient de dire Pierre, euh, tout le faux bling-bling qu'on voit sur Internet, en fait, 90% des choses qu'on voit souvent c'est que du bullshit et que du fake. Voilà, c'est la parenthèse. Euh, alors, ma question elle est simple. Euh, Est-ce qu est que parfois ça vous arrive de perdre la flamme, de perdre la motivation, euh, objectif atteint ou pas atteint Et si oui, quel est le tips que vous pourrez donner aujourd'hui pour permettre de retrouver la flamme rapidement pour réenchaîner les choses, etc. Oui, ben, moi j'en avais parlé hier dans la présentation, mais tu pas encore euh, arrivé. Mais je vais répéter, je vais agrémenter quelques trucs. Euh, moi j'avais dit en fait que les, les deux choses qui me permettaient de garder la flamme, c'était premièrement c'était le voyage, euh, le fait de voyager. Si je reste tout le temps en Belgique, je sais qu'à un moment je vais perdre la flamme parce que tu pas entouré tout le temps d'entrepreneurs, tu entouré mais c'est tout le temps les mêmes. Et tu as besoin, en voyageant, ben, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs qui vont t'en faire rencontrer d'autres. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et quand t'es comme ça que tu voyages, que tu... Que tu es dans des autres environnements, mais moi mon énergie change énormément en fait. L'énergie que j'ai ici, c'est pas du tout la même que j'ai en Belgique. Quand je suis à Dubaï, c'est une énergie qui est totalement différente aussi, euh, avec les choses qui t'entourent, parce que l'environnement influence énormément justement notre comportement, etc. Et, et donc, du coup, le voyage, ça me permet de, de changer à chaque fois cette énergie-là, de rencontrer de nouvelles personnes et donc de rester dans le mood entrepreneur, d'avoir des nouvelles idées, de continuer. Donc, la flamme, je la maintiens comme ça. Et la deuxième chose, comme je disais hier, c'est le fait de travailler en fait avec, euh, le, avec la plupart, c'est des potes, ou bien même comme Ruben, ben, qui au départ n'était pas un ami, on, on était juste, voilà, d'un point de vue professionnel, on, on, maintenant on est, on est devenu des bons amis aussi. Ben, c'est des gars qui travaillent pour moi et je sais que euh, ben, je dois continuer à, à, comment dire, à les faire grandir aussi. Ils doivent grandir en même temps que moi, et pour moi ben ça c'est important ça veut dire que si je gagne plus d'argent, eux n'en gagnent plus non plus, et qu'ils vont devoir peut-être aller trouver un autre travail, donc ça pour moi ça me permet vraiment de rester euh, toujours aussi euh, pas au top, mais en tout cas de continuer à, à travailler, d'avoir cette flamme en tout cas au fond de moi, c'est comme ça que je, que je le perçois de mon côté. C'est pour ça qu'on est ici Exactement <laughs> Merci Merci pour ta question ce que je compare, tu vois la flamme chez l'entrepreneur ça me fait penser également au surentraînement chez le sportif, tu vois. Il y a un moment où tu peux être dans une situation où tu en as marre, ça arrive. Hein. Moi, je pense que dans ces moments-là, quand j'arrive à une période comme ça, j'ai besoin de repos. C'est que j'ai beaucoup forcé, etc. Et c'est vraiment le repos qui va faire que ça va, ça va revenir. Et aussi les rencontres, tu vois, les voyages, etc., changer de contexte. Mais parfois, il faut savoir se reposer avant d'être en surentraînement ou écouré, et là, tu perds la flamme. Quoi. Parce que voilà, on a, on a besoin de ça pour, euh, pour réussir. Quoi. Moi, j'allais dire la même chose. Euh, c'est se comparer à un sportif, et aussi mettre des objectifs. Si à un moment, il y a la flamme qui part un petit peu, c'est de se dire, bah, tiens, voilà, je vais mettre moi-même sur papier des objectifs, vraiment les écrire sur un papier en disant, c'est ça, ça et ça que je souhaite, même avec une date, ça va me motiver à me donner une direction. Et même si la flamme, elle est partie deux, trois jours, elle revient assez rapidement aussi. C'est un peu si euh, combien de personnes se disent, bah, tiens, moi j'aimerais bien partir euh, six mois en vacances, et après deux mois, déjà, ils sont là, euh, je m'ennuie, j'ai envie de reprendre. Ça Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on le sent tout de suite, qu'un moment, quand on a fait cette pause, on veut repartir parce que on est habitué. C'est une habitude qu'on a prise à, à vouloir avancer. Mettez-vous des objectifs. Et des objectifs qui font plaisir à toi, tes proches, mais c'est quelque chose qui peut te motiver à nouveau. Moi, en 2017, j'ai voulu arrêter l'immobilier tout en une fois. J'ai eu ça. En 2017, fini, je ne fais plus d'immobilier. Et finalement, après deux mois, je me suis remis en. Enfin, voilà, c'est reparti. Mais en 2017, j'ai eu ça. On reste des humains, on n'est pas, ne sommes pas des robots. Tu vois, il y a quelques temps, là, il y a quelques mois, je m'étais dit euh, je fais mon stage en Chine et après je fais un gros break parce que j'arrivais. Euh... Voilà, parfois, il y, y a des saturations et parfois ça tient. Tu, vois, tu es en train de faire justement un nettoyage. Parfois, c'est parce que c'est un manque de rigueur aussi. Tu J'ai une mauvaise alimentation, j'ai pas assez de repos. Tout ça, ça vient influer sur, sur mon mindset. Donc, quand je vois. Qui a cette perte de motivation parce que je le ressens aussi à l'entraînement, je le ressens. C'est sur plein de points en même temps. Donc là, c'est une remise aussi. Je fais attention à la diète, je me repose. Ça peut être dans la création de contenu vidéo, tu vois. Par exemple, parfois, je perds la flamme là-dessus. Alors que c'est important dans notre domaine. Et je sais que ça va revenir, mais voilà, il faut laisser du temps au temps aussi. Hein. Encore une fois, on reste des humains. On a besoin de, de récupérer, quoi. Oui, ouais, je, je complète ce que tu dis. Moi, c'est la même chose aussi. Il y a des fois en fait, où, je, où je sens que je perds la flamme parce que je l'ai déjà perdu plusieurs fois et ça arrivera encore. Et en fait, quand, quand je sens ça, il y a des fois, où, comme toi, je me dis bah, c'est pas grave parce que je, je me connais et je sais qu'avec avec mon caractère, bah, un jour ça va revenir en fait d'une manière ou d'une autre. Et tant pis, je passe par cette phase-là où je la perds un peu plus. Et ça permet justement après de pouvoir la rattraper, d'avoir un bon coup de vent et, bam, et que la flamme se rallume encore encore plus. quoi. Ouais, ben, de mon côté, on va dire que euh, je perds la flamme aller euh, à toutes les fins de semaine. Donc euh, on est dans un écosystème compliqué. C'est le Web 3, ça monte, ça descend, c'est volatile, donc euh, les émotions aussi parfois. Euh, voilà, donc en euh, fin de semaine c'est toujours un peu plus, on va dire un peu plus compliqué. Donc ce que je fais c'est que par exemple je vais prendre mon samedi soir, je vais me commander euh, des petits trucs euh, que je mange pas habituellement, des trucs un peu moins bons. Je vais faire un gros reset un peu le concept de destruction créatrice. Et euh, je vais regarder, je sais pas, un truc euh, sur Netflix, des trucs que je faisais avant. Et très rapidement, je me rends compte que j'aime pas ça. Et euh, dès le lendemain, tout de suite, je me remets dans l'écosystème. Et je suis déjà à fond, je me dis, punaise, c'est n'est pas ce que je veux. Donc, euh, <laughs> c'est ce, ce qui me rebooste. Excellent, super. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour vos réponses. Et je veux passer le micro au dernier qui avait une dernière question. Merci. Je vais faire plaisir à tout le monde. En fait, euh, la, ma, ma question re rejoignait euh, ce que Fabio. Euh, c'est Fabio. Hein, euh, Pierre. Ah, ok, Pierre, excuse-moi. Euh, que Ce que Pierre. Euh, voilà, c'était pas sur la même forme, mais le fond a été répondu. Donc voilà. Ok. Ben, en tout cas, c'est méga intéressant. Je pense que des discussions comme ça, euh, c'est un peu en mode podcast. Sauf qu'ici, en fait, on est à plus de 40 entrepreneurs à participer à ce podcast et à échanger. C'est méga intéressant. On pourrait faire ça euh, tous les jours et même changer, en fait. Euh, mettre, par exemple, 5 ou 6 personnes. Euh, de vous en face de nous, qui viendrait ici et ce serait nous qui vous poserait la question, parce qu'en fait, on est, on est tous là pour s'apporter. Mais malheureusement, mais ici au niveau du temps, ça commence un peu à être short, donc on va devoir couper maintenant. Euh, et il reste encore l'activité mini mastermind, on n'a pas eu le temps de le faire. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est que demain, euh, en fait, on a euh, un brunch qui est prévu tous ensemble pour conclure le mastermind à partir de 14h toute l'après-midi. Vu que ça commence à 14h, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en fait sur la terrasse euh, donc, euh, où on mange à midi euh, demain. Je vous, en, je vous dirai l'heure exactement sur WhatsApp, mais on pourra se fixer euh, 11h et au moins on fera l'activité de mini mastermind demain, dehors, sur la terrasse, parce qu'on n'aura plus accès à la salle de conférence. Je vous expliquerai comment ça se passe. En une heure et demie, ce sera fait. Ce sera, en fait une, enfin, ce sera une FAQ globale, mais vraiment par thème, par groupe. Euh, donc consulting, e-com, euh, import-export, mindset, etc., etc. Parce que sinon, aujourd'hui, on n'aura plus le temps, parce qu'aujourd'hui, la première navette arrive devant l'hôtel à partir de 19h20. Donc c'est une navette de combien de personnes encore, Arthur Ok, donc c'est par 14. Euh, donc c'est pour justement la, le, le restaurant de ce soir et la soirée. Donc euh, ce serait bien voilà, d'être prêt à partir de 19h euh, à l'hôtel pour les 14 premiers. C'est Arthur qui gérera justement le transport avec euh, les navettes. Donc il vous dira quand être, quand être prêt, etc. Et alors on fera également l'autre, la dernière chose, le vidéo objectif demain aussi. Sinon aujourd'hui ça va être trop short. Je vais vous demander votre attention pour une dernière chose aujourd'hui. Euh, c'est déjà ce message, on n'est pas encore à la fin du mastermind, mais en tout cas, je sens que l'énergie est bonne, franchement, ça fait plaisir. Euh, vraiment, toutes des personnes euh, bien alignées, je sens que le niveau de ce mastermind-ci, c'est le plus haut niveau que j'ai eu dans tous les masterminds que j'ai fait, euh, parce qu'on est tous plus ou moins avancés dans le business. Euh, pour ceux qui étaient là au précédent mastermind, comme Bruno, Matteo, Matt, etc., euh, ben, je sens qu'on a tous pris aussi de l'expérience, donc les discussions sont aussi beaucoup plus abouties, ça fait vraiment plaisir. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'ici, on fasse une photo de groupe tous ensemble. L'intérieur. Ensuite, on va directement dehors faire une photo de groupe sur la terrasse aussi. Et après, quartier libre jusqu'à 19h. Et alors, après, on part au resto à Pointe Romano.